Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Open Tour 2018, le circuit français organisé par Riot. Soirée un peu exceptionnelle puisque pour ceux qui ont suivi la GA, c'est le tie-break pour savoir quel seed auront LDLC et Gamers Origin pour aller aux European Masters. En compagnie de Nono ce soir, comment ça va? Ça va super, écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de commenter des équipes françaises et bah là du coup de voir en plus un match qui partage les deux équipes, ça va être très intéressant à mon avis, ils vont se donner. Après j'ai cru comprendre que normalement Gamers Origin a un léger avantage puisqu'ils ont rencontré deux fois LDLC, ils ont fait 2-0, mais peut-être justement on a préparé quelque chose côté LDLC. C'est ça, et bien justement tu fais bien d'en parler puisque comment on en arrive dans cette situation? Donc pour ceux qui ont suivi l'Open Tour, il y a plusieurs étapes, 7 étapes exactement, qui donnent des points avec 7 qualifiers online. Il y a eu la première étape qui était la Lyon eSport, donc il y a le qualifier online. Il y a eu le qualifier online pour la GA, qui a eu lieu le week-end dernier, donc on y était avec toute l'équipe au gaming. Et après, il y aura donc, il y a eu le qualifier de l'ESL Montpellier. Et après, on va avoir la DreamHack. Donc voilà, ouais. c'est condensé. Lors la Gamers Assembly, les Gamers Origin et LDLC, donc LDLC était premier puisqu'ils avaient gagné la Lyon eSport et Gamers Origin était deuxième. Donc, sauf qu'avec le fonctionnement en points, et on va regarder ensuite un peu comment ça marchait, Gamers Origin ayant battu LDLC en grande finale, ils sont arrivés à égalité aux points. Mm-hmm. Et donc en fait pour décider quel seed dans les European Masters, il faut ce tie-break. Sachant que Millennium est déjà qualifié en tant que champion de France 2017, donc seed 1 directement en group stage. Le seed 2, c'est celui qui est premier au point de l'Open Tour. Et le seed, donc il arrive aussi en group stage, mais moins bien seedé. Et le seed 3, ça arrive en play-in. Donc il y a 4 jours supplémentaires de play-in. Ça commencera lundi prochain. Donc voilà, donc là c'est LDLC ou GO qui iront en play-in ou en group stage. La GA, donc il y a eu GO qui a survolé la GA, puisqu'ils ont perdu une seule game de toute la GA. Ils ont mis 2-0 en finale de Winner Bracket. LDLC est parti en loser bracket et remonté jusqu'en finale. GO avait une game d'avance et ils ont remis 2-0 et ils les ont troués. Donc regardons un petit point justement, regardons un petit peu les points pour voir eh bien, où est-ce qu'on en est. Merci. Alors Gamers Origin 1240, Team LDLC 1240, Genocide pas qualifié du coup, ouais. Vitality Academy qui a du mal à performer, pas qualifié, Millennium bien qu'il soit loin derrière, il reste 5e mais qualifié en tant que 2017, Lunari, Solari et MIF, pas qualifié bien sûr. C'était d'ailleurs pour l'anecdote, c'était Tonnerre qui m'avait dit que Vitality Academy s'il voulait participer à l'European Masters de décembre, il fallait qu'il soit premier de toutes les autres étapes restantes. Autrement dit impossible quoi. C'est compliqué. Chaud, ouais, c'est chaud. Voilà donc au niveau du récap des points, on va regarder un peu ce qui est aussi des points par joueur et par ligne. Alors pas que ces points donnent quelque chose, c'est juste ça permet eh bien pour de la gloire. Voir un petit peu, voilà, en fonction des mercenaires qui ont bougé d'une équipe à l'autre, de regarder un peu qui s'est bien débrouillé. Bon, forcément, on retrouve les top laners des grosses équipes, Danan, Faxi, Brossage, Chemek. Ça me fera toujours rigoler de voir. Oui, il y a un nom qui fait là-dedans en sixième. Tu dis bon. Ouais. Devant Qatar en flip. C'est vrai que c'est étonnant, mais bon. C'est vrai que ça marche bien pour Lunari finalement. Au niveau des junglers, forcément, on va toujours retrouver encore une fois les premiers. Oui, c'est drôle. Mais si, c'est drôle. Narcus en cinquième position, Execo. Ouais. Au niveau des mid laners, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nom Lunari qui arrive dans ce classement, on rigole. Là, c'est encore plus drôle. Oui, c'est encore plus drôle, oui.
Au niveau maintenant, voilà, Eika, Tonnerre, Execo. Au niveau des Adhécaris, eh bien, bon, Melon, Tio, Néon, Yuki, Murmel, Toaster, Comp, Toaster qui a été excellent sur son Ezreal. Hein. Bah, je parle pas, Ouais. même pas de Tonnerre et Satalia, mais Toaster vraiment très bon. Hein. Je pense en ce moment au Géo, c'est une grosse, grosse équipe. Toaster lituanien et c'est ça, et son support aussi pareil, je crois. C'est ça. Parce que son support est un petit nouveau Pulsace que personne ne connaissait, finalement, ça a l'air d'être un bon recrutement. Ouais, Triton, le God Thresh, Dreams, Kass, Chark, Elan et Nolan. Voilà, et eh bien pour le classement au niveau des points. On vous rappelle, voilà bien sûr qu'on va jouer sur le 8.6. On est sur le serveur tournoi. Voilà, donc on Pas garde encore les jusqu'à la changements fin. majeurs, ouais. Au Ouais, niveau donc des il n'y a pas bilans. encore. 8.10, on verra après le 8.7. Bon, pas besoin d'en parler maintenant, mais moi je suis pas un grand fan du 8.7. Ah ouais? Ouais, je suis curieux de savoir pourquoi. Sur les minions, sur le farm. Ah bah maintenant tu dois pas te rater au niveau des sbires canons, ça c'est clair. Ouais, mais du coup, tu peux vraiment genre faire masse gold en mid game, tu peux vraiment farm comme un sac. Mais bon, on en parlera plus tard parce qu'effectivement, c'est le 8.7. Donc 8.6, on va se remettre un petit peu dans la tête Ouais. les changements majeurs du 8.6. Bon, c'était forcément c'est la rune conquérant C'est qui ça. était arrivée, on en a beaucoup parlé. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Renekton sur la top lane des conquérants A qui raison. sont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait détruire. Pour le coup, on l'a vu, ah ouais, on l'a vu en Corée, on l'a vu dans l'Open Tour, on l'a vu un peu partout. Et ils n'arrivent pas à s'imposer. C'est des Renekton qui n'arrivent pas à perf en lane, malgré les améliorations. Et derrière, en fait, le pick, je pense, fait tellement peur, qu'il se fait tellement camper, Ouais, qu'il c'est n'arrive pas à possible. être efficace. À chaque fois qu'on a vu un Renekton, il s'est fait full camp. Ouais, c'est vrai que j'ai vu, je crois, la game avec Faxi qui avait joué Renekton. Ouais. Effectivement, c'était un peu compliqué. Il était derrière, Il a commencé sans à, il a fait vis-à-vis. game à 0-5-0. Ouais, c'était un peu compliqué. Mais voilà, les différents up entre les champions. Même si Rengar, à mon avis, va pas faire son apparition. Il y a eu Non. beaucoup de up dans la jungle, mais finalement, ça a pas trop bougé la jungle, à ma grande surprise. Non, pas trop, effectivement. Alors, Nono, on nous prévient que la draft, ça y est prête et qu'on va pouvoir rentrer dedans. Donc, on rappelle Gamers Origin contre LDLC. Un prono déjà? Ouais, 2-0, Ah Gamers ouais. Origin. Bon, en fait, Il survole vraiment il quoi. survole vraiment. Il y a Broken Shard qui vient d'arriver Ouais. en tant que coach, qui est très sympa d'ailleurs. Qui dit, bon, bah, c'est cool, moi, je Très travaille dans une sympa. Bon, je équipe le qui connais depuis gagne. longtemps maintenant. Broken Shard, tu le connais depuis longtemps toi aussi. Je l'avais jamais rencontré en vrai. Ah ok. Ah ouais, genre peut-être qu'on s'est croisé à des events, mais donc il était là à Poitiers. Et en fait, LDLC, alors c'est une très très bonne équipe avec un bon management, hein, une bonne structure. LDLC, je pense que c'est vraiment peut-être une des meilleures structures dans laquelle tu peux être. Pour preuve, Moops y est depuis 2 ans. Je pense qu'il y a quand même une stabilité, mais ça donne un peu l'impression des comme les équipes de début de saison, c'est-à-dire qu'ils cherchent encore un peu leur style. Ouais, c'est étrange. C'est vrai que c'est étrange après autant de temps quand même qu'ils cherchent encore leur style. Mais bon, ça, en plus, ils se connaissent depuis maintenant un certain temps quand même avec Skineka. Moops qui a changé évidemment de carry AD. Maintenant, il est passé avec Comp. Et on est parti directement en tout cas dans la draft. Les bans qui ont déjà été faits, Skarner, Camille, Caitlyn côté Gamer Origin. Kai'Sa, Ryze et Swain. Kai'Sa qui est extrêmement fort. Kai'Sa qui peut être joué de plusieurs manières d'ailleurs. Et ça qui est fort en fait, c'est au niveau de la diversité du build. Soit Essence Reaver, soit avec beaucoup de coups critiques, soit au contraire avec Guinzo. Et je sais pas si t'as eu l'occasion de voir ça. Danse Si, de la si. mort et Ouais, d'ardeur, ouais. etc. C'est Un extrêmement peu fort trop aussi. l'occasion de voir ça. Ouais, c'est extrêmement fort en tout cas. Du côté des Gamers Origin, on a préféré récupérer en first pick Ezreal. La réponse évidemment, LDLC, c'est pas fait attendre. Xayah Rakan, extrêmement fort. Et une nouvelle fois, un pick Nidalee. Alors ça, ma grande surprise, c'est vrai que les équipes françaises adorent Nidalee et j'ai jamais compris pourquoi. Ça se joue, alors ça vient chercher à haut niveau parce que ça reste un pick qui peut faire face à Trundle, qui peut faire face à Olaf Ouais. actuellement, qui je pense sont extrêmement forts parce que C'est un tu peux pas double pas tranchant. vraiment te faire lock ou te faire ouvrir. Je pense que c'est un bon jungler d'early, mais je trouve que c'est super all-in en fait. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, si tu te rates en early game, si t'arrives pas à trouver tes spears en late game, t'es pas très utile quoi, tu vas mettre des C'est heals et ça. c'est tout ce que tu vas proposer. Donc c'est vrai que c'est un choix quand même compliqué, mais bon, cela dit, ça va pouvoir mettre beaucoup de rythme puisque du côté de LDLC, déjà on a une botlane qui est dominante. On a un jungle évidemment qui va pouvoir, comme tu l'as dit, Noah, partir sur le mouvement. Côté Game of Origin, la Talia La Tonnerre, spéciale, il a été voilà. excellent. Ezreal, Talia, c'est la spéciale, Ezreal Braum, effectivement. extrêmement fort. Braum qui est très très bon contre les plumes évidemment de Xayah. Talia qui est très très bien joué d'ailleurs partenaire. Hein. C'est vrai qu'il a fait une super prestation. J'avais vu justement la game où il avait été juste incroyable. Il était partout en fait sur la map. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu. Je Et suis content en fait pour Tonnerre. il a décalé avant le niveau 6 la top lane de Faxi. Il a aidé à prendre un kill sur Gangplank avec le Maokai. Et derrière, Faxi a roulé sur le Maokai. C'est-à-dire que vraiment, il est partout. Et te rappelle que toi t'as fait une game avec Tonnerre en plus. Ah bon? Eh oui. Quand tu jouais Ashe
Black Charmander. Il était avec moi. Il était avec nous. Il était dans ma game. Ouais. Il jouait avec Tonnerre. Ouais. J'ai peut-être même mis Carrie Tonnerre. Je sais pas si la Carrie, parce que vous avez perdu à la fin. Mais... on a perdu à la fin. Ouais. Mais oui, t'as eu la chance de jouer avec Tonnerre. Non, je me souviens pas que c'était Tonnerre. Bah, je suis honoré. Et comme quoi, il vient de loin. Ça fait longtemps maintenant qu'il est sur la scène, Tonnerre. Il a joué avec moi, il vient très loin. Ça fait longtemps qu'il est sur la scène et maintenant je suis content effectivement que ça marche pour lui. Et en tout cas Mao qui était récupéré, donc du coup tu m'en as parlé justement hors trim, le pick Mao qui était bon sur Faxi avec un Grève dans la jungle, ça j'aime bien par contre le pick de Grève. Autant je suis pas très fan de Nidalee, autant Grève c'est un champion quand même qui fait beaucoup de dégâts. Et en plus la smoke maintenant est devenue vraiment mortelle quoi. Si t'arrives à bien la caler, le CC est fort, le blind évidemment est extrêmement fort quand t'arrives à le mettre sur des carries. Donc c'est vrai que t'as beaucoup de choses à faire, je suis très curieux de savoir ce que Kings va faire justement contre une Nidalee avec son Graves. Ouais, et du coup ce sera un chaîne. Mais j'aime bien les LDLC pour moi qui ont adapté leur draft par rapport à ce week-end. Parce que on n'a pas un truc aberrant, c'est-à-dire qu'on a une compo là qui est bonne en early, qui a une bonne phase de lane, qui a un décalage pour AK, parce que AK qui avait été un petit peu transparent face à Tonnerre, avec du burst, on répond un petit peu, c'est-à-dire que la dernière fois on avait la même chose, sauf qu'à la place de Leblanc, on avait un Azir par exemple. Et ouais. Tu regardes, fait bon, bah. C'est Azir Nida, et tu regardes le Azir, il fait rien, la Nida elle fait rien. Donc, déjà, je préfère un peu ce que je suis en train de voir. Après, maintenant, comment vont s'en tirer les joueurs? La dernière rencontre entre Dandan et Faxi s'est très mal passée pour Dandan. Après, c'est marrant parce que côté LDLC, finalement, on prend beaucoup de risques. Hein, de partir d'une part sur Nidalee dans la jungle, bah, comme on l'a dit, c'est quand même un champion qui est assez risqué. C'est un peu à double tranchant. Si t'arrives à mettre du rythme en early game, ça va être très bien. Tu vas pouvoir faire respirer tes laners. Mais par contre, si t'arrives pas à faire la différence, bah, évidemment, comme on a dit, en late game, tu vas avoir un peu plus de mal à trouver tes dégâts. Le blanc, finalement, c'est un petit peu la même chose. Ouais. Si t'arrives pas à dominer en early game, si t'arrives pas à trouver des pick-up sur les carries, et bah, ça risque d'être très compliqué. Cela dit, ils ont un combo qui est très intéressant avec le blanc chaîne. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à pick-up les carries très facilement, peut-être pas Ezreal, mais en tout cas Talia, Tonnerre, il va devoir être très très solide à mon avis. Après, moi ce qui m'inquiète pour eux, c'est, on l'a vu, et encore on a vu dans la Telecom War, superbe Telecom War, hein, je vous recommande vraiment d'aller voir ce 3-1 infligé à SKT par KT Rolster, mais c'est que, et pour moi Géo draft bien là-dessus, c'est qu'on prend, alors Maokai ça pousse un peu, contre Rand ça devrait se neutraliser, mm-hmm. Par contre Talia, normalement ça a clairement la pression sur contre la mid lane. Chaîne. Tu veux dire. Ah, pardon, contre Shen. Ah, bah ouais. Non, bah autant pour donc, moi. Bah ouais, l'avantage du push avait changé. En early game, donc, en tout cas, Maokai a le push. Jusqu'au Tiamat. Ouais. Talia a le push. Alors, moi, ce que j'ai vu de Toaster avec son S, il arrive à bien agresser. Donc, j'ai un petit peu peur pour la duo lane. Et on a un Graves qui, s'il met bien ses sorts sur une Nida, il la trichote. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a un Graves qui va pouvoir bouger pour aller chercher un petit peu dans la jungle la Nida et qui va être accompagné. Et si là, Leblanc est push. Quand bien même une Leblanc ça décale très bien, il pourra pas vraiment se libérer rapidement. Donc c'est un petit peu ma peur peut-être pour LDLC. Et en plus du côté des jungles, du côté du 2v2 au niveau de la top lane, c'est extrêmement fort puisque de part et d'autre finalement on a des dégâts magiques et des dégâts physiques. Mao, Graves d'un côté, Nidalee et Shen de l'autre. Donc finalement au niveau des top laners, bah, même si c'est un combat de tank, les jungles ont tout intérêt finalement à faire un focus au niveau de cette top lane. Parce que ouais. C'est vrai que ça qui est fort quand tu joues avec un Graves et Nidalee, c'est des champions qui justement qui ont beaucoup de scaling, qui ont besoin de scale, qui ont besoin de récupérer beaucoup de gold. Et donc de les faire un gank sur la top lane. Même si c'est un chaîne 400 gold qui tombe comme ça en exactement début de partie. Exactement, ça fait toujours la différence. Donc c'est sûr ça peut être fort. Maintenant attention aussi du côté Tonnerre, je pense qu'il va jouer avec une cleanse quand même au niveau de la mid lane. Si jamais il se prend un CC de la part de Leblanc, à mon avis il y a une Spears qui va arriver instantanément, il va mourir. Donc c'est vrai qu'en termes de warding quand même, normalement il va falloir insister quand même au niveau de la mid lane. Je vois pas de focus par contre au niveau de cette bot lane, ça m'étonnerait. Bot lane, bon, ils ont l'habitude de jouer un peu aggro avec Toaster, donc peut-être venir punir. OK. Mais normalement bon, Xayah, Rakan, alors Xayah, Rakan, c'est à peu près réponse à tout. Même si la synergie a été un tout petit peu nerf, normalement, effectivement, sur les duo lanes, sauf intervention des junglers, il devrait rien se passer. Et puis surtout, le mid est trop dangereux, en fait. Ouais, c'est ça, le mid de chaque côté, le mid décale trop vite. Au niveau 6, c'est un enfer. Donc, plus, ouais, un focus au mid. Et vu que les 3v3 peuvent être forts, top mid jungle, peut-être des affrontements plutôt par là, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que évidemment le Shen par contre va récupérer son Tiamat, il va pouvoir justement arriver à gérer le wave clear. Donc normalement, on devrait voir un Grave jouer topside en début de partie. Peut-être justement, la tendance va s'inverser par la suite. Encore que de pouvoir mettre un focus sur le Shen, évidemment, ça l'empêche de mettre ses ultimates pour backup ses coéquipiers. Donc ça, on va voir en tout cas ce que vont faire les joueurs. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop regardé le style de jeu des différentes équipes. Je sais évidemment que les Game Origin en tout cas ont l'air d'avoir un meilleur team fight, ou en tout cas une meilleure science du team fight pour le peu de fight que j'ai vu en tout cas.
L'early game est en général souvent disputé quand même entre les deux formations. Donc il y avait des jungles en plus aussi agressifs. Ça va être à mon avis très explosif. Ça qui est bien finalement dans les tournois justement français, c'est qu'enfin même américain d'ailleurs, même les LCSNA, c'est que finalement ça bouge beaucoup et c'est spectacle. Mais c'est maintenant en fait la méta bouge pas mal à peu près partout, même en Europe, je dirais, parce que là on va avoir du Fnatic en Ouais. finale qui va arriver. Splice, ils se sont mis un petit coup de collier au Avec niveau Bwipo de encore d'ailleurs. la... Avec Bwipo encore d'ailleurs. Avec Bwipo, ouais. Ouais. Ils ont annoncé que SOAS pourrait jouer MSI Mmh. si jamais Fnatic se qualifie et que pour l'instant c'est Bwipo qui joue. En Corée, on a Katie Rolster qui a gagné contre Skitty qui joue ultra aggro. Hein. Il joue ultra, ultra, ultra aggro, c'est que du counter-pick. Africa, c'est pareil. Et Kingzone, j'en parle même pas. Donc en D'ailleurs, fait, le top 3 de la Corée, il joue ultra aggro. j'ai jamais vu pendant cette Telecom War Faker aussi mauvais. Voilà. C'était pas Je le vais mettre des pire. gens à dos probablement, mais. Je jette plus une pierre à la jungle. Mais La jungle a pas été très bon, mais la bon, Faker draft n'a pas été a... Ouais. excellent non plus. Les Je dis pas drafts ont qu'il pas été est. bons, ouais. J'ai jamais vu aussi mauvais. Ça veut pas dire qu'il est C'est nul. vrai. Ça, non mais c'est vrai. Non mais ça se défend, hein. C'est un point de vue qui se défend. C'est pas moi qui te contredirais. Non, toi, je sais, ouais. Et c'est pour ça que je le dis, et pas en compagnie de Chiefs, mais en la tienne. Et on est parti du coup pour ce tie-break, on le rappelle, le gagnant de ce BO3 sécurisera Ouais. le site 2 pour les European Masters qui commencent la semaine prochaine. Donc il y a 4 jours de tournoi en plus pour le perdant. Alors, au niveau des lanes, bon, rien de particulier au niveau des Masteries, enfin des runes, pardon. Oh! Il y a pas la cleanse, c'est un heal, mais Mais un ouais, spellbook. Donc potentiellement super une cleanse. étonnant. Super étonnant de la part de Tonnerre, effectivement. Il veut jouer quand même le 1v1 au maximum en début de partie. J'imagine que par Les la sont suite il va armes. changer pour une cleanse. On verra. En tout cas, il est parti sur un désintégrateur. Donc, effectivement, en termes de push, comme tu l'as dit, Ekka va avoir beaucoup de mal d'arriver à tenir le rythme d'une Talia, ce qu'elle va pouvoir installer. Donc, ça, c'est pas mal. Ça va justement laisser peut-être le champ libre à Tinx. Maintenant, dans la jungle, je connais pas trop le match-up. Je pense que si Tinx, en fait, ça dépend de qui a l'engage entre Qui les deux fait jungles. shulk, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Celui qui a l'engage va pouvoir dominer l'autre, bien entendu. Bah, c'est sûr, si Tinx prend une spear en rentrant dans la maison, je vais pas cher de ça. Ouais. Par contre, pareil, une Nidalee qui vient fait check un Graves, elle se fait quasiment one shot. En tout cas, le match-up, il va pas être non plus si facile que ça pour Tonnerre, parce que ça peut être beaucoup de pression. Le blanc, c'est assez fragile, une Talia. Et du coup, en attendant, Skins qui est parti assez Corbin, pas de Winter Jungle, on a pu voir des trucs assez rodés hein, pendant la GA. Et Faxi, bon, j'attends beaucoup de Faxi dans cette game, il m'a tellement émerveillé sur son Maokai lors de la Gamers Assembly, il a tellement, mais win, il a gagné une game tout seul avec son Maokai. Les grandes heures du Maokai de Faxi. C'est étonnant d'ailleurs de la part des joueurs de partir sur un jungle agressif et de pas jouer sur cette rune conquérant. Alors qu'on pourrait justement l'exploiter au maximum. Hein. Il y avait Camille, Fiora, Renekton, il y a quand même beaucoup de champions, Jax aussi, il y a beaucoup de champions quand même qui sont viables au niveau de cette top lane. Peut-être qu'on va avoir une évolution et je pense que ça aussi du côté des équipes, ils se connaissent depuis longtemps, ils ont un bon coaching staff. Ça ne m'étonnerait pas justement qu'ils aient travaillé plusieurs stratégies, soit la stratégie justement comme cette game-ci avec deux tanks au niveau de la top lane et par contre des jungles qui sont très agressifs. Et au contraire, une autre stratégie avec des jungles peut-être un peu plus passifs, un peu plus herbivores comme on les qualifie, avec justement des champions agressifs au niveau de la top lane. On va voir ce qu'on va faire, sachant que les deux joueurs Dandan et Faxi, je crois, sont des ou un pool de champions qui est juste aberrant, si je ne m'abuse. Oui, bah ils peuvent tout jouer, je crois. C'est des jours d'expérience. Puis Faxi, il est passé par les LCS. Enfin, Faxi, ça donne vraiment l'impression qu'il se meurt en challenger. C'est et le joueur était pas mauvais chez Rocket. Il a fait partie de la Rocatada pendant qu'on a une agression. Voilà, c'est un oui, des c'est membres vrai. De la Rocatada. Donc vrai. Ça veut dire que les joueurs sont loin d'être mauvais. Et pourtant, Dieu sait si je l'ai trollé Faxi dans son début de carrière en LCS, hein, l'homme au flashstone traté dans le mur. Mais, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru entre temps. Ouais, et puis bon, les ratés, écoute, c'est propre quand même à l'humain. En tout cas, Skins qui est parti au niveau des golems pendant que Graves a essayé de chercher la même réponse. Dans la jungle adverse, pas de gank par contre potentiel au niveau de cette top lane, mais attention à prendre trop de dégâts du côté de Pulsas. On sait du coup que c'est un jeune joueur, c'est peut-être le joueur qui a le moins d'expérience, bah c'est le joueur même qui a le moins d'expérience entre les joueurs des games en origine, donc on peut voir peut-être parfois un petit peu de raté de son côté, mais lui, il doit surtout assurer en fait une bonne communication avec son carry AD, je crois qu'ils sont de la même origine les deux, donc évidemment il y a une meilleure synergie de leur côté, et ça c'est important, en tout cas Tonnerre qui a fait son bac.
On notera qu'il n'a pas changé de Summoner Spell pour le moment, il n'est pas revenu avec un téléport. Pareil du côté de Eka qui a fait son bac aussi. Et finalement Tonnerre qui décide de pas mener l'agression hein, plus que ça, il décide pas de maintenir le push en permanence au niveau de la T1 adverse. À mon avis il est beaucoup trop inquiet en fait des déplacements de Nidalee. C'est vrai que c'est un peu le risque aussi quand tu joues contre une Leblanc et que tu push trop fort, que tu push au niveau de sa T1, ça veut dire qu'il va y avoir une distorsion, il va y avoir une chaîne qui va arriver et une Nidalee directement derrière qui va te punir. On notera d'ailleurs que Tinks est spot par le piège de Skins. C'est une excellente opération ça. Et d'ailleurs il va se positionner au niveau de cette top lane hein. Regardez du coup, on vous en parlait hein, pendant la draft qui allait avoir un gros focus au niveau de la top lane. Et comme tu l'as dit, Faxi, joueur d'expérience, membre actif de la Rokatada, qui met des wards préventifs ouais, c'est bien complètement vu. Et du coup là ça donne un boulevard à Tinks. Effectivement un Tonnerre qui mettait pas la pression. Il y avait un bac de son jungler. Comme on le voit, il y a zéro vision ou information sur Skins. Wow. C'est la première fois qu'ils ont eu depuis longtemps. Et du coup, Tonnerre, le fameux décalage de Tonnerre avant niveau 6. Mais ce sera vu grâce à cette ward. Il l'a tenté. Voilà, push décale avec classique. Une Talia. Classique Talia, effectivement. Même s'il n'y a pas beaucoup utilisé d'intégrateur d'ailleurs, puisqu'il a encore ses 5 stacks. Donc finalement on arrive à prendre la pression, regardez directement le flash de la part de Mou, parce qu'on arrive à trouver une réponse du côté de Toxter. L'Ignite qui va être lancé quand même. Il y a un grand tour qui est fait par Tinks. Tinks qui va arriver dans le dos, Pulsar, et ça va être le First Blood pour Comp. L'arrivée de Tinks, on a encore le flash pour Comp, on n'a plus rien pour Moops. La téléportation qui va arriver de Dandan, est-ce que c'est suivi? C'est pas suivi. Il faut 10 engage maintenant pour Tinks, c'est le flash out. Et l'arrivée de Talia, Moops a plus de summoner spell, hein. Moops a plus de summoner spell, on est au courant hein, du côté du midliner des Games Origin. Le bump qui ne passera pas assez de dégâts malheureusement. Eka se mettra en couverture des éventuels skill shots et sera néanmoins c'est un first blood pour les LDLC. Cela dit, le carry AD adverse est mo. Ouh, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant pour Faxi. Ouais. Ça là, c'est embêtant parce qu'il peut se faire dive potentiellement. Quand ça lui bat, il est obligé de disengage. Ouais. Oh, il va devoir avorte. Il va devoir mourir. Il a un flash. Il a mis trop tôt. Et il tente le route. Il faut juke la spear. Ça ne passera pas pour Skins. Ouais, surtout que mécaniquement là il y avait légèrement du raté du côté de Faxi, puisque évidemment son Q-spell il doit le timer pile poil sur le jump de Nidalee. Chose qu'il n'a pas réussi à réaliser, donc ce qui a coûté son flash, mais bon, pas très grave, il s'en sort. Pas de kill offert au jungle adverse, et surtout c'est un Skins qui, malgré la présence de Graves au niveau de cette bot lane, n'arrivera pas à trouver de counter jungle. Et ça, évidemment, on sait bien que c'est toujours très très embêtant, hein, puisque regardez, c'est un Nidalee qui a pour le moment un level de retard par rapport à son vis-à-vis. Tinks qui a réussi à se mobiliser au niveau de cette bot lane, qui a gratté évidemment de l'XP sur la mort de Comp. Et donc c'est sûr, il s'est mis dans une bonne position, il n'a pas perdu de Gromp en plus par l'occasion, il récupère ses loups, enfin bref. Pour le moment, c'est un Graves qui est dans une très très bonne position. Et d'ailleurs, c'est un Graves qui n'est pas parti en first item sur des bottes de Berserker, chose qu'on trouvait beaucoup justement sur les Graves pour la tenue de jungle, évidemment, pour le farm, pour le push. Mais plutôt, il décide de partir sur un Red Smite. Si jamais il y a un pick-up à faire, on arrivera à le trouver. Ouais, bon, pour l'instant, de toute façon, il perd tellement pas de vie ni rien dans la jungle. Ouais. Et il gank un peu plus, en fait, je pense aussi, parce qu'il a prévu de gank un peu plus qu'il a prévu de farm dans la jungle. Et il a un level entier de retard quand même, non? Ça c'est embêtant pour Skins. Il aurait récupéré Skills sur Faxi, ça l'aurait mis dans une très très bonne position. Et regardez Tonnerre une nouvelle fois qui est toujours dans la mobilité. Il a réussi à faire quand même deux gants au niveau de cette botlane. Il arrive une nouvelle fois à se libérer pour récupérer ce dragon. Voilà, pas de problème, le smite est sur le dragon infernal en plus. Et du coup la rotation des dragons, on n'a pas d'informations pour le moment. On l'aura, mais en tout cas ça les met dans une très bonne position. Je me dis c'est propre. C'est ouais. Propre, c'est push décale. Qui est assez présent, il y a du contrôle. Là, la critique, c'est peut-être il y a un petit refresh de vision à faire, il y a un investissement en pink ward. Mais ouais, ça donne l'impression qu'ils sont toujours en contrôle. Ça outfarm au top, mais ça y est, il y a le Tiamat pour Dandan. Donc maintenant, la question est-ce que Dandan arrive à récupérer le push? C'est pas dit qu'il y arrive. Hein. Ouais, c'est important, effectivement, d'avoir du push là avec le shell. Le Tiamat va être important. Mais comme tu l'as dit, il n'a pas beaucoup de défense par contre pour arriver à tenir contre les dégâts basses de Mao qui sont considérables. Donc normalement ça devrait être un Faxi qui devrait maintenir la pression. Et surtout regardez, Tonnerre il est juste insupportable, il est absolument partout sur la map, il met une pression en permanence. Regardez Dandan là où il est positionné, il est forcé en fait, il est zoné en permanence. Faxi n'hésite pas même à partir en proxy, aucun problème, dans tous les cas il a la couverture. On sait bien du côté Game Origin qu'il va y avoir un focus au niveau de cette botlane noire. Bien entendu, donc on joue safe côté Toaster et Pulsas. Attention parce qu'il n'y a plus de barrage cérébral maintenant pour arriver à trouver un wave clear. Là j'ai peur par contre pour la T1 sur la botlane.
Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de traîner les tours. Il n'y a pas de TP top, il y a l'ulti de Dandan au chaos, ils vont décaler. Et ils vont perdre cette tour, ils ont décidé de jouer en haut parce qu'ils vont prendre le fight. Ils vont essayer de prendre le fight, c'est ce qu'ils ont fait. Ah oui, Dandan, what? Le root derrière Dandan, attention, c'est Tings qui a l'aggro, mais on va venir le chercher avec Faxus, c'est le kill. Mais Dandan, il aurait dû faire comme Toaster et Pulsas en fait, laisser sa tour tomber, bah oui. Partir, éventuellement faire un gank sur la mid lane, il a un ultimate en plus, je crois qu'il a un Stade United, bien sûr, là son Stade United de disponible. Éventuellement dash de la part de Leblanc, pick up sur Tonnerre, Tonnerre en plus qui n'a plus de mana, c'est dommage, je trouve qu'on a raté un petit timing là. Et il faut pas hésiter justement à jouer très agressif, ils ont quand même une composition avec une Leblanc et une Nidalee, moi. Donc si on n'arrive pas à trouver ce genre de pick up, à quel moment on va les trouver? C'est pas en late game que tu vas les trouver ce genre de pick up. Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et là, disons que ça rentabilise complètement le move de Géo, puisque. Enfin, il y a Faxi qui met 46, ça y est, de nouveau avec. Ouais. Alors, il y a eu un gros camping. Hein. Ouais. Il y a eu un gros camping. Donc, c'est pas Dandan qui a perdu après, de façon 1v1. Mais le résultat est tout de même super efficace. C'est-à-dire que c'est quasiment outform sur toutes les lanes, sauf la duo qui est even. Ouais. Après, on le savait, hein, pourtant, pour le camp. Même nous. Même dans le siège de caster, on savait qu'elle allait avoir un focus au niveau de cette top lane. C'est vrai que Skins en fait a perdu beaucoup de temps. Malheureusement, le pick-up qui rate sur Faxi, sur le cancel de back, a été tellement dur. Parce que d'une part, il peut pas partir en counter jungle, il n'arrive pas à récupérer de kill, donc il n'arrive pas à faire respirer son top laner. Enfin, ça, il a perdu tellement de temps en fait, Skins là-dessus. Et du coup, on le voit, regardez, c'est deux levels de retard. Hein. Deux levels de retard pour Nidalee, c'est considérable. Il peut plus contester la jungle en fait, il peut plus contester le 2v2. C'est-à-dire que le 2v2 il donne un avantage, à moins que AK arrive à faire des plays de fou, il donne la domination à Tings. Et on a d'ailleurs une trinité en préparation pour Toaster, on veut des dégâts. Allez, dash, il y a AK quand même qui essaie de jouer très agressif, hein, il a pas le choix, il essaie de mettre du rythme, mais malheureusement Tonnerre, il en a que faire finalement de sa lane. Il veut juste arriver à push, il veut pas réussir à tuer son vis-à-vis, il veut juste arriver à proposer des décalages. Et c'est combien de décalages qu'il a fait? Déjà 5 décalages je crois depuis le début de la game, à 10 minutes de jeu. Au moins, même s'il va pas au bout en fait, le simple fait qu'il quitte sa mid lane, ça, avec le mur de la tisseuse, t'es obligé de le prendre en compte. Et ça se voit que du côté des LDLC quand même, on essaie de chercher des solutions justement pour arriver à tenir la mobilité de Tonnerre, puisque je crois qu'à la game justement précédente, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il a joué un Ryze EK. Dis-moi si je me trompe. Je crois que oui, il avait joué un Ryze. Donc finalement c'est un champion qui arrive à tenir finalement en push aussi face à Natalia. De manière moins évidente maintenant qu'il a été nerf certes, mais néanmoins. Et cette fois-ci il joue un champion par contre très agressif mais qui ne passe pas pour autant. Tinks va prendre un petit peu de dégâts, le héros de la faille qui est engagé. Ils vont fight. Ah bah ouais, tu peux pas. Là c'est Nidalee qui prend un barrage térébrant, noir, c'est midlife. Hein. Juste un barrage térébrant. C'est le problème que j'ai avec Nida, on en avait parlé, c'est que si tu tombes pas la game, qu'est-ce que c'est dur à jouer. Bon, on va voir, en plus il y a une belle frontlane, hein. Et Faxi il fait la spéciale, bannir first, comme ça il joue le push et Géo, il joue la méta, il joue juste le push et derrière il bouge sur la carte et il joue en équipe. Et c'est comme ça que ça joue le jeu actuellement. Ouais, c'est pas pressé, attention pick-up. Au niveau de cette bot lane, Dandan. Il va être où? BK, double dash. Ouais, il a touché quand même par le skill shot, mais voilà, le zoning est placé. C'est une très très belle rotation là des gamers origines pour le moment. On n'arrivera pas à venir à bout de cette tour, quoique. Oh. On va la forcer. C'est un heal, hein. C'est un heal qui a été lâché. Par contre, c'est un heal de Nida. J'ai cru voir y passer, mais en fait, il a la téléportation EK. C'est un flash par contre. Et ça, c'est non négligeable. Et donc du coup voilà, on va récupérer la tour sur la top lane côté LDLC, mais en termes de rentabilité évidemment c'est plus intéressant pour Gamma Origin puisque c'est la mid lane qui arrive à ouvrir et Jack Tonnerre arrive à trouver des déplacements au niveau des rotations, au niveau de la bot lane, enfin des translations même si on est plus précis, au niveau de la... géométrie nono. Des translations au niveau de la bot lane, au niveau de la top lane, maintenant qu'il a récupéré cette T1 mid lane, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus cette T1 justement pour arriver à tenir en wave clear et aider justement EK à push la lane. Et ben ça va être un Tonnerre qui va être encore plus mobile. Donc excellente opération de la part des Gamers Origin. Plus qu'à partir maintenant la récupération de cette tour bot, qu'est-ce qu'on va faire? Héros de la faille par contre qui est tombé, c'est embêtant. Ça c'est embêtant parce que sur un timing de repop du dragon, tu lâches un héros de la faille au mid ou au bot ou au top, enfin à peu près n'importe où, et tu rushes le dragon et du coup t'es quasiment obligé d'envoyer quelqu'un gérer le héros de la faille parce qu'un héros de la faille en solo ça prend une tour. Et la bannière de commandement, ça y est, elle est là. Et elle était placée instantanément du côté de Faxi à l'approche en plus du dragon infernal. On a un excellent timing pour les gamins origines. Deuxième inferno en préparation probablement. On va aller récupérer la wave, enfin la vision pardon, de manière progressive. Notre par contre
un petit manque de rigueur là au niveau des wards, puisqu'il n'y a pas de pink ward du côté d'Ezreal alors qu'il a fait son bac. Et la téléportation, on vient fermer la porte. Danan ne suivra pas, on va abandonner le deuxième infernal et ce sera un nuage juste derrière. Il va se flasher, non ? De Faxi éventuellement, non ça va, on a la mobilité qu'il faut, pas de problème. Ils ont rien fait, ils ont héros de la faille, ils auraient pu essayer de push la tour à la place, mais ils ont rien fait, ils ont essayé de contester, ils ont vu qu'ils pouvaient pas, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, bah écoute, c'est vrai qu'ils ont pas réussi à mettre de pression au niveau de la midlane, c'est dommage parce que comme tu l'as dit, il y avait un timing héros de la faille à placer au niveau de cette midlane pour forcer en fait au moins un des joueurs des Game of Origins à partir en défense. Là au moins il n'y a plus de téléport du côté de Faxi. Il y a un stand United quand même pour Dandan, il y a un téléport éventuellement pour Dandan. Est-ce que c'est pas le moment de trouver des pick-up avec Leblanc? Moi je veux voir ce duo Leblanc chaîne. Et là c'est vrai que ça manque un petit peu dans la stratégie des LDLC. On a une Leblanc qui essaye d'assassiner difficilement, qui arrive pas, faut voir ce que ça a donné. Ils ont pas un scaling qui est mauvais LDLC avec Zaya, avec Shen, il y a quelque chose à faire je pense. Un ulti qui arrive et ce sera trop court pour aller gérer Compé Moops. Mais oui, en fait, c'est vraiment l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils partent perdants. En fait, et qu'ils essayent pas de temps, ils essayent pas de move. Ouais. Bah après LDLC c'est vrai qu'ils ont souvent été à l'école quand même de jouer safe quoi. Ils ont souvent été à l'école de jouer le scaling etc. Mais c'est pas l'école Bora? Bah justement l'école Bora aussi c'est quand même un peu scaling. C'est vrai que c'est un peu scaling. Bah ouais. Bah à une époque l'école Bora c'était du Flash Inani et Léona. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais mais t'es avec Fnatic c'est différent. Il y a des choses que tu peux t'autoriser avec Fnatic, tu peux pas t'autoriser avec d'autres équipes. Ouais mais je pense que la... les bonnes équipes sont celles qui jouent la ligne, qui jouent l'agression, qui jouent le snowball actuellement. Et quand on regarde un peu à travers le monde, sur qui occupe la place de premier de sa ligue, bah c'est des équipes qui agressent. Et bon, la ligue française ne fait pas vraiment exception. Pour l'instant, ça reste Géo, deux dragons infernaux, un Kagol d'avance. On n'est pas encore à 20 minutes de jeu, c'est un 20 minutes qui va être intéressant avec Muramana et Trinité. Finalement, l'héros de la faille qui est lâché, nature sur la mid lane, mais sur un back. C'est sur un timing back de Tinks et de Pulsas. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir récupérer cette tour là. Il y a la défense par contre de Ezreal, il a son barrage Télébran. Est-ce qu'il va le mettre? On peut pas mettre un mur de la tisseuse pour imaginer un peu ce héros. Ouais, c'est le barrage Télébran quand même pour arriver à assurer Wave Clear. Mais regardez, c'est une pression qui n'est pas installée en fait pour la DLC. Donc certes, on arrivera à mettre mid-life la mid lane. Mais est-ce que c'est vraiment un mid-life qu'on recherche? Non, c'est une prise de tour. C'est le Leblanc qui doit décaler. C'est le Leblanc maintenant qui a son Gunblade. Cela dit, il a son Gunblade. Et K maintenant, Gunblade plus bot du sorcier. Normalement, le 1-3-1 est quand même clairement l'avantage de LDLC, nous sommes d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ce Grave, en fait, est tellement aussi intimidant avec ses, son level d'avance, là, pour le moment. Dans le teamfight, en fait, le Grave, il amène tellement par rapport à Nida, en termes de dégâts. Sur un bon engage de Faxi, Tinks, il arrive, il met son DPS, il wipe le teamfight. Et avec un Braum, en plus, la synergie Ezreal, Graves, Braum est tellement excellente, en fait, pour Game of Origins. C'est vrai que ce trio, normalement, devrait faire des ravages. On a réussi à push la top lane là pour Game Origin, c'est Natalia d'ailleurs qui est bien installée du coup, 26 d'avance par rapport à son vis-à-vis. EK qui était occupé, elle a récupéré son blue buff, et oui c'est ça qui est embêtant évidemment. Quand tu installes une Talia sur la top lane, blue side, aucun problème pour elle puisqu'elle est du côté de son blue buff. Alors qu'évidemment bah, EK, son blue buff il est de l'autre côté de la map. Donc le temps qu'il traverse toute la map, il perd du farm et il passe derrière son vis-à-vis. Mais regardez, il y a une pression qui s'accélère au niveau de cette bot lane. C'est parfaitement timé là pour les Game of Origins, faut quand même le souligner. Puisque pression au niveau de la top lane, instantanément il y a une rotation au niveau de cette bot lane. Si jamais il y a le mur de la tisseuse qui pop, c'est un Dandan normalement qui a pas beaucoup d'arguments hein, pour arriver à tenir aussi bien contre les dégâts de Mao, de Grève, il a pas de stat en fait. Il a que du point de vie, c'est-à-dire qu'il a une hydre titanesque. Exactement. Point. Pas de résistance magie, pas d'armure. Donc là, oui, le dive. Il peut absolument pas le tenir. Et d'ailleurs il y a une bannière de commandement qui a été balancée par Faxi. La tour n'est pas défendable, on vient la récupérer. La rotation de tonnerre au top. Non c'est... il n'y a rien à dire, c'est rodé. Ouais, regardez, on va le laisser du coup tout seul. Ça y est, pas de défense dans tous les cas. Bannière de commandement qui est évidemment le 6ème joueur. Enfin 7ème joueur après vous évidemment le chat. Je vais la caler, sache que je vais la caler. Dès que je peux, je la calerai. Dès qu'on a un événement online, je la calerai. Bientôt tu pourras la refaire. Bah oui, je l'ai retenté. Et attention par contre le pick-up, la TR maintenant qui est tombée, belle opération de la part de LDLC. Oh le cancel, oh il est beau cet ulti de Pulsas. Le burst qui est passé, est-ce qu'on arrive à trouver un kill peut-être sur EK? L'ultimate de chaîne, on se met en sécurité, ça coûtera quand même un flash, un pour un. Les deux supports sacrifiés dans le process. Mais un Pulsas qui a conservé par contre son ignite. Il a conservé son ignite. Après effectivement il s'en sort bien parce qu'il s'était un peu fait pick-up sur une erreur de positionnement. Plus de flash pour EK. Ça c'est dommageable.
Et bon, un timing d'agression qui n'a pas non plus été incroyable pour LDLC. C'est une DA quand même, qui arrive à débloquer. C'est pas mal. Bah maintenant, disons qu'on arrive à 20 minutes. 20 minutes, on est sur le stack 2 objets de quasiment tous les Géos. Sauf peut-être sur la mid lane pour Tonnerre. J'ai envie de savoir si ce qu'il a en stock en termes de gold. Là, normalement, c'est le moment où on va essayer d'accélérer. 50 secondes avant le dragon. C'est un dragon des nuages, c'est pas, je pense, celui qui motivera le plus, mais bon, c'est toujours ça à prendre, effectivement. Allez, K, c'est le moment de trouver son pick-up. Le téléport, évidemment, instantanément en réponse. Mais regardez, c'est un Tonnerre qui peut pas tenir, bien entendu. Maintenant, les dégâts sont colossaux de la part de Leblanc. Et ce qu'on attendait, hein, on attendait vraiment la mort de Tonnerre. Enfin, moi je l'attendais en tout cas. Parce que c'est vrai que le 1-3-1 est quand même clairement à l'avantage de LDLC. Il faut qu'ils fight. Faut qu'ils fight effectivement les Géos. Faut qu'ils arrivent juste à push. Avec une bannière, ça devrait pouvoir donner quelque chose. Et ensuite à se regrouper et à utiliser un peu de poke, un peu de décalage. Mais je pense pas que Tonnerre maintenant puisse être laissé tout seul dans le 1 contre 1 contre Leblanc. Le pick de Leblanc est pas mal pensé. Cela dit, il part sur une Banshee, je crois, en deuxième item, ce qui va peut-être l'aider justement dans le process à tenir sur son vis-à-vis. En plus, on a vu la réaction hein, de Faxi, instantané. Dès qu'il y a eu une distorsion de la part de Eka, il y a eu une réponse téléporte en direct. Et maintenant, côté LDLC, on va quand même partir sur une récupération de Dragon des Nuages, bien entendu, ce qui va laisser normalement le champ libre à Game Origin de récupérer la vision autour de ce Nashor. Et d'ailleurs, ce Nashor, est-ce que t'as vraiment vu de la bonne. Il n'y a pas de téléporte pour Faxi. Donc en fait, tu sais que les Game Origin vont juste récupérer la vision, mais ils peuvent pas la récupérer, ce Nashor. Et ça qui est fort par contre pour LDLC, c'est qu'ils ont un gros timing du coup à jouer là-dessus. Un téléport de Dadan de disponible, un Stand United qui va revenir dans pas longtemps. Et ce sera un Il va quand même tenter. Non. Pas d'ulti pour Tinks. Je pense à la démanger. Le Fashion aurait pu être redoutable hein, pour Ika. Et du coup, on est toujours sur du 1-3-1, mais c'est les DLC disent quelque chose. Ils arrivent à maintenir leur 1-3-1. Ok. Ça TP direct. C'est là, il a pas pu récupérer tout ça HP. Par contre, on va essayer de trouver l'engage directement. C'est sur Move qui est parfaitement contrôlé. Mais Move finalement qui arrivera à s'en tirer. Quoique l'ultimate de Tinks, il suffira pas. Et c'est maintenant un Tinks qui est laissé complètement à l'abandon. Il y a Ika qui est derrière. Il essaye de sniper, mais on est bien groupé pour les Géos. On va essayer de chercher un petit peu Ika. Ils peuvent absolument pas partir au Nashor, je pense. En plus, ils ont pas le smite. Mais par contre, ils peuvent essayer de push mid. Ouais, clairement, ils ont le timing pour push. C'est pas une Leblanc dans tous les cas qui va pouvoir wave clear. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi avec Leblanc quand même, Noah. C'est que bah, pour arriver à trouver le wave clear, t'es obligé de mettre une distorsion en avant, donc une distorsion in. Et est-ce que t'as vraiment envie de partir sur une distorsion in face à un Mao et un Brom? Je suis quelque peu sceptique. Donc évidemment, bah, les gamers Origin vont pouvoir avancer au niveau des objectifs, récupérer une T2. Et en fait, à partir du moment où Comp meurt, ils ont un boulevard en fait, les gamers Origin. Ils n'ont pas de wave à disposition. Ils sont propres leur call. Ouais, c'est clairement. Instant Nashor, instant engage ouais. Sur une défense. C'est vrai que ça fait. J'ai vraiment vu des équipes dans d'autres ligues, dans les ligues plus importantes, dans les ligues de plus haut niveau comme les LCS, avoir des calls bien plus douloureux. Et c'est marrant parce que c'est le genre de call en fait que devraient avoir les LDLC en réalité. C'est pas les gamers Origin qui devraient mettre le rythme. Mais c'est l'inverse. C'est pas les. Oui, c'est ça. C'est pas les Game Origin qui devraient mettre ce rip. Tout à fait, c'est les LDLC en fait. Avec une position comme celle-ci, avec Nidalee et Leblanc. C'est quand même eux d'arriver à jouer, d'être un petit peu autoritaire. En tout cas, la Pink Ward. Est-ce qu'on arrive à trouver un pick-up maintenant sur Tonnerre? Et là, ça Banshee. Il a son Banshee, il a fini maintenant son Archange. C'est vrai que c'est dur quand même, Leblanc, maintenant, face aux Archanges, face aux Banshee qui sont gratuites. Enfin, gratuites. Qui sont c'est facilement récupérables pour les très contextuel. Ah ouais. Puis le 1-3 est très dur à jouer, je pense. Maintenant que le Séraphin est devenu un must-have. Bah faut voir. Surtout qu'il n'y a pas d'item qui a été. Il y a pas d'item qui a été up pour Leblanc. Non, j'y pense. Le Luden. Ouais. Mais bon, tu fais Gutblade en first item. C'est vrai que ça change rien. C'est incroyable pour Leblanc en fait, c'est. Les assassins AP, en règle générale, parce que là, les assassins AD viennent d'avoir leur patch. Ouais. Les prochains, effectivement, sur la liste, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu d'assassins AP très up. Attention, il y a un Nashor là qui est engagé pour Game Origin. Il va y avoir une réponse instantanément. C'est un Fixas pour le moment qui a pris un car life en moi ou non. C'était lurie. Le flash de Tinks. Il vient chercher le mid laner. Il se retourne sur Skins qui n'a pas trop d'impact avec Sanida. Toaster qui essaie de continuer. S'il meurt, c'est catastrophique, moi. Ils vont tous mourir. Ça peut être même un push au mid. Attention, peut-être.
Le bon taunt hein, de Dandan, c'est très important de tuer ce Haze. Allez, mais est-ce que ça va les empêcher d'aller au Nash? Probablement pas, non, il n'y a plus ni d'aller, donc il n'y a plus la menace du smite justement à proposer pour LDLC. On a quand même une grosse front lane, est-ce qu'on a les dégâts qu'il faut? Je pense que justement avec le Grave, c'est ça qui est fort avec Grave, même si tu perds ton Karrigadé, pas de problème. Tu auras toujours le DPS suffisant pour arriver à récupérer Slasher, maintenant Stinks, il n'a pas le droit de mourir. S'il meurt, c'est catastrophique. Et Eka, il a objectif en tête, supprimer le smite inverse. Et regardez directement le flash taunt qui est très bien réalisé. Le kill qui a récupéré du coup, il sera un Asher qui va être avorté, quoique Faxi qui garde l'aggro. Faxi garde l'aggro. Ouais, il faut se retourner, il faut se retourner. Attention, Eka qui prend des risques. La poussette tellurique qui ne passera pas. Très belle défense de LDLC. C'est pas facile. C'est pas facile, non. Et Eka qui arrive à trouver finalement les pick-up qu'il faut. Hein. Même le. En fait, non, c'est surtout Dandan qui a été excellent. Premier taunt sur Ezreal qui était parfait. Deuxième taunt, justement, flash taunté sur Tink qui était excellent aussi. Et donc, du coup, on arrive à cancel la récupération de ce Nashor. On arrive à se mettre à respirer un petit peu. Je pense que là, ça risque quand même d'être compliqué pour eux. Toaster qui a bientôt maintenant sa BRK. On n'a pas encore l'IE. Ça qui est bien, c'est vrai que Xayah, en fait, c'est un champion qui est excellent en early game. Après, en mid game, en fait, quand t'as pas d'IE, quand t'as juste Essence River et Rapid Fire Canon, bah, c'est sûr que face à un Mao qui a Masque Abyssal, Bannière de Commandement, Cœur Gelé, t'es un peu à la traîne, quoi. Donc, il va falloir attendre justement l'IE. On a 25 minutes de jeu. Il a pas l'air en plus de partir sur IE en deuxième item, puisqu'il a fait une BF. Mais j'ai l'impression qu'il va récupérer peut-être une QSS, ce qui va le ralentir du coup une nouvelle fois dans son Power Spike. Alors, il a pris d'abord la résistance magie, puis la BF. Ah, d'accord. Donc je pense qu'effectivement il devait avoir un peu de gold. Il s'est dit bon je le prends mais à mon bah non tu vois QSS, ah non, QSS il finit à QSS finalement. Et ouais, ça va handicaper évidemment beaucoup hein. Bon c'est sûr dans les teamfights il va être un peu plus safe avec son ultimate et sa QSS. Néanmoins en termes de scaling bah, c'est embêtant. C'est 3 items maintenant du côté de Toaster. On a un power spike qui est très intéressant. Il y a un dragon qui va faire son apparition maintenant noir dans 40 secondes. Il faut repartir en siège de Nashor. Oh là là, ils vont à l'attaque du monstre. Mais le monstre se retourne. Il met le CC sur Eka, il y a un peu de backup. Et il y a le route qui est passé une nouvelle fois le monstre. Il y a rien à faire et donc là plus de Leblanc, c'est elle qui fait la différence. Hein. C'est elle qui arrivait à protéger justement la récupération de cet objectif Nashor. Maintenant qu'il n'y a plus de Leblanc, c'est une composition LDLC qui va avoir du mal à trouver ses dégâts. Hein. C'est pas Nidalee qui va faire des dégâts. C'est pas Xayah comme j'ai dit qui va faire des dégâts puisqu'elle a pas encore récupéré l'IE. Donc là normalement. Enfin, après la troisième tentative, ça doit être un Nashor. Ouais, ils vont chercher le smite. Il est supprimé, mais pensant à cet honneur qui reste un petit peu derrière. Avec Toaster aussi, oh, ils ont oublié les carries à la maison. Le Nashor qui compte taper sur Tinks. Regardez, il a vulnérable Faxi pour le moment. Il est juste invulnérable, il est full life. Il vient de prendre un trade face à une Leblanc. Là, il est contre un Karrigadé, pas de problème. Et le kill qui est récupéré, Tinks aussi qui va faire tomber Dandan, Ace. Sur pile poil sur le timing de respawn de Eka. Ouais, bon bah écoute, quatrième tentative de Nashor noir. Ils y retournent. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que Eka va y aller? Quatrième tentative, on a une ward. Faxi, il se meurt. Ouais, c'est vrai qu'il là, il a. Il est intuable. C'est l'impression alors. C'est l'impression des anciens. Le Maokai indescriptible de Duke sur la top lane qui arrivait et qui matraquait la game. Et tu disais, mais comment il fait pour être aussi tanky? On a le même personnage. Et moi, quand j'ai le même stuff, ça marche pas. Je me fais ouvrir, je me prends 3 crits et je me fais ouvrir. Et lui, non. Ouais, c'est vrai que l'optimisation est parfaite. Bah voilà, c'est vrai que. En fait, de récupérer le cœur gelé, ça le met tellement bien de pas avoir, en fait, d'avoir une Nidalee en face qui est inexistante, d'avoir un Shen qui est inexistant. En fait, il y a deux champions qui sont inexistants et Leblanc, elle est pas du tout intéressée par taper le Mao. Donc là, en fait, en termes de DPS, il a qu'une menace de la part de Xayah. Et pas de problème Xayah, puisqu'il a un cœur gelé qui a réduit son attack speed. Et puis là, il va encore avoir de l'armure, parce qu'il part sur une grande du juste. Hein. En plus. Non, mais bon. Ils sont sur leur timing fort, ils sont sur leur timing très fort avec un S, avec une Talia. Rapide faire canon Grave, je sais pas si tu peux éclairer ma lanterne parce que là j'ai un doute. Il l'avait déjà fait. Mais je me rappelle plus ce que ça fait exactement sur Grave. Non, tu préfères plutôt passer sur un danseur fantôme avec Graves, ou voire même danse de la mort plus tard. Surtout que les stats de Rapid Fire Canon sont quand même les moins intéressantes des items Asie. Mais ça donne la range. Tinks, on l'avait vu pendant les finales pour la Gamers Assembly. D'accord. Et là, lors du tie-break, mais il le remet. Oh, le Venom Fire va débloquer cette tour. On décide de paniser du côté des Mao Jin. Ça y est, on avance. Le Rookie, what? La tour, il faut finir la tour. C'est bon, l'équipe qui termine la tour. Il y a tellement d'avance. Moves qui se fait ouvrir. Toaster qui est bien derrière la prime. Faxi! Il s'en tamponne, Faxi! Il a pas de flash. Non, il a pas de flash. On va pour lui. Pulsat, par contre, qui va faire un flashing qui va. Non.
qui ne trouvera pas son Crow Gym. Mais du coup, on décide de finir la game pour Game Origin. Nous sommes 28 minutes de jeu noir. C'est... Et j'ai l'impression que c'est terminé. Ils sont chirurgicaux. C'est exactement la même impression sur laquelle ils m'ont laissé après la GA. C'est de jamais vraiment être inquiété. Et ça me fait mal. Ça me fait mal quand même pour nous. C'est vrai que j'ai l'impression que... Il a perdu un petit peu de sa superbe quand même, Moux. Moi je le trouvais incroyable avec son bar. Je sais pas si tu te rappelles au début quand il est arrivé justement dans la compétition, il était juste incroyable. Avec pas quand il a fait son transfert en fait de mid lane à support, il a full spammé bar, il était juste monstrueux dessus. Et maintenant c'est vrai que bah là, regarde, à chaque fois avec son Rakan en fait, il s'est fait pick up avant que le fight commence. C'est ça, mais après je pense que LDLC c'est vraiment une bonne équipe. Mais ils sont dans un. Ils se cherchent un peu, ils ont changé deux joueurs. Il n'y a pas si longtemps, et pour l'instant la BNS prend pas encore. Vu les joueurs, vu le staff, je m'attends à ce qu'ils remontent. Malheureusement, là actuellement, maintenant, ils se prennent des keys par Géo, et avec les European Masters qui arrivent, ils n'ont pas vraiment le temps de se redresser. Donc on va voir. N'oubliez pas voilà, donc, que vous pouvez voter pour le MVP en mettant dans le chat top, jungle, mid, ADC ou support. C'est un BO3. Il reste c'est qui ton MVP à toi? C'est qui ton MVP? Honnêtement, entre Tonnerre... Tonnerre et Faxis et Tinks. Ben, ouais. Pour moi, c'est un de ces trois-là, parce que la Diolane, bon, elle est plus discrète. Oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Tinks, il full carry, Tonnerre, il full DK, ouais. Et Faxis, bah, c'est un peu le monstre. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Pour cette game, j'aurais plus dit Tonnerre. Ouais, moi aussi, j'aurais mis Tonnerre. Je suis d'accord avec toi. Enfin bref, le vote est pour vous. On attend en tout cas de voir le dénouement de ce BO3. Donc un rappel évidemment que l'enjeu de ce match, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une position... Un seed, non, c'est arriver directement en group stage, voilà. Aux European Masters qui commencent donc lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est les play-in. Donc le perdant ira se taper ses play-in contre tous les seeds 3 de toutes les autres régions, donc Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Le numéro 2 arrive directement en group stage, et le numéro 1 qui est Millennium parce qu'il est champion de France est déjà devant. Ceci étant, donc on a encore au moins un match, peut-être deux si LDC remonte, mais ce sera après la pub sur Wargaming. À tout de suite. De retour pour le tie-break entre Gamers Origin et LDLC pour le seed aux European Masters, 1-0, très haut la main de Gamers Origin. Vous avez décidé de mettre en MVP Faxi. Oui. C'est legit, complètement legit, avec son Maokai. Avec Mao, ouais. Largement d'ailleurs devant ses compatriotes. Alors que quand même, Tonnerre a fait une très très belle performance et peut-être un Bantalia en préparation contre LDLC, parce qu'on voit, c'est un champion qui crée trop de problèmes en fait. Ils n'arrivent pas à le gérer. Ouais. Après, il faut qu'ils bannent aussi Ryze, parce qu'ils jouent très bien Ryze, ou alors tu Bantalia. Sauf que si tu prends Ryze, ils jouent Cassio, donc tu prends une Cassio. Donc... Ah mais Cassio, au moins, ça bouge pas de sa lane. C'est vrai que ça bouge pas. Donc peut-être que du côté de LDLC, ils ont tout intérêt en fait à essayer de contenir Tonnerre au maximum pour laisser justement bah, peut-être la Nidalee, enfin ou le jungle en tout cas, s'exprimer au maximum, parce que c'est vrai qu'avec sa Nidalee, il a été complètement inexistant, j'ai envie de dire, alors que Tinks avec son Grève a été excellent quoi. Il a réussi à mettre deux levels quand même en early game à une Nidalee, ce qui est évidemment considérable, deux levels face à une Nidalee qui doit justement mettre du rythme, qui doit conserver en fait l'XP, voire même passer devant son adversaire. Là, c'était. Sinon, tu prends. Le pari était perdu. Tu te mets dans la méta du moment, tu te prends un Trundle, tu te prends un Olaf. Ouais, ou Skarner. Voilà, ou un Skarner, exactement. Skarner Thresh, allez, hop, terminé. Tu bannes le Tahmkench. Tu prends de la pression un petit peu. Et tu prends de la pression sur les lignes. Mais après, faut voir, hein, est-ce que. Je peux pas croire que LDC est limité par son pool de champions. C'est des joueurs qui jouent à peu près tout, qui ont à peu près tout vu. Donc je sais pas, c'est peut-être on peut pas tout expliquer par le mental en fait, c'est une question de confiance, mais par exemple quand tu vois effectivement que cette Nida Leblanc, bah ils ont pas trop tenté de pick-up ou d'agression, ils ont tenté notamment sur le top lane, ça n'a pas marché. Mais bon, bah est-ce que vraiment vous avez joué toutes les conditions de victoire de votre composition? Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que de voir Leblanc et Shen ne pas du tout jouer ensemble, c'est très embêtant, parce que bon, finalement le Shen, Dan avait complètement abandonné sa lane, on va dire, puisque voilà, en termes de tenue de lane, Faxi est largement devant. Donc justement, bah il faut que tu appuies en fait sur tes autres points forts, et en l'occurrence tes autres points forts, bah c'était là Leblanc des cas. Donc on va voir, peut-être il y aura un petit changement au niveau de l'orientation en fait de la draft. Je me dis, si Dan effectivement il n'y arrive pas du tout, on lui donne une île à oeil.
un truc comme ça, un Darius conquérant, une Illaoi. Mais oui. Un truc qui bully sur la lane. Un truc qui se tombe et au moins il n'y a pas de problème sur la lane. Donc normalement la phase de draft qui devrait se lancer pour la première balle de match pour Gamer et Origin. Peut-être aussi le Toaster, il est très à l'aise sur son Ez. Ouais. Peut-être aller contester. En fait, contester des pics de confort pour Géo. Et là, Géo est en red side. Qui, selon leur style de jeu, les avantage un petit peu, d'après moi. Et bah d'ailleurs, justement, t'en parlais du ban de Ezreal. Le voici, côté LDLC, ban de Skarner pour Game Origin. On se méfie justement des champions qui peuvent mettre beaucoup de rythme dans la jungle. On n'a pas envie de mettre le skin dans des bonnes positions, bien entendu. Ban de Kha'Zix, beaucoup de jungle agressif là pour le moment qui sont enlevés. Il reste Olaf, comme on a dit. Swain. Maintenant, pas de focus sur. Sur Tonner, pas de Talia. Ouais, dernier ban Talia quand même. Rise. Ouais, t'en as parlé aussi peut-être, de Rise. Peut-être qu'il va pick Talia. Hein. Tu peux counter pick en prenant aussi le pick d'origine. C'est vrai. Un dernier petit ban pour Géo. Qu'est-ce qui les dérange en fait? Je sais pas ce qui les dérange. Les gamers origine. Peut-être un gros carry au top. Ouais, Camille, ouais, effectivement. On enlève le first pick. On a un first pick fort. Allez, en tout cas pour LDLC, ça va être une Caitlyn tout de suite qui va être récupérée, du push effectivement au maximum. Normalement, quand tu récupères une Caitlyn, d'ailleurs, Caitlyn hein, qui est devenue vraiment une haute priorité hein, au niveau même des lignes majeures, hein, XS, oui. etc. Ah, Jhin. Ça, j'aime bien le Jhin. Jhin avec Ginzo. Morgana, Doran, Comet. C'est fort, Jhin en fait. Super, 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 super. Et c'est vrai qu'en termes de pression de lane, maintenant j'aurais même tendance à mettre Jhin devant. Ah! Oh il, le... oh, il veut lui mettre une leçon. Oh, il met... Ouais, là c'est la leçon. Ouais, c'est ça. Là, attention, hein, attention, parce que si tu veux mettre une leçon et que tu. Oh il a un Lee Sin skins, il a un bon Lee Sin. Et c'est vrai qu'on a oublié ce pick Lee Sin qui est extrêmement fort dans les mains de skins. En plus, qui a été up au niveau du A. L'ultimate aussi fait énormément de dégâts. Bon, il faut attendre le level 16, mais ça fait quand même 600 points de dégâts au level 16. C'est considérable. Et tonnerre. Est-ce qu'on va prendre des risques? C'est full push, full aggro hein, pour la team LDLC. Ouais, c'est bien. La pick Orianna, c'est bien. Ça a apporté en plus un petit peu de défense à Nidalee. On va pouvoir envoyer Nidalee directement dans le tas et la backup. Ou avec un Galio, ça peut le faire aussi. C'est vrai, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu de Galio. Je pense que c'est toujours aussi fort. Un petit casque adaptatif first sur la mid lane. Ou full AP. C'est vrai que ça joue full AP. C'est vrai. Tu peux le jouer full AP. Après, bon, masque abyssal. Syndra, Lee Sin, est-ce que t'as envie de jouer full AP? Bah le masque abyssal ouais me paraît peut-être obligatoire effectivement. On va voir en tout cas les bans qui s'enchaînent. Morgana qui est enlevée évidemment, on va pas laisser Caitlyn Morgana extrêmement fort. Alistar côté LDLC. Ils ont le premier pick, ils auraient pu prendre un cheat Morgana. Mais c'est vrai que prendre Morgana sans connaître le support en face. Ouais. C'est pas terrible. Il reste Braum. Tiens, Janna. Un champion qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup. Ils ont Braum qui est enlevé. Delay, la POC et domination. Il reste Tahm Kench, attention au Tahm Kench. Hein. Ah, j'aimerais bien qu'on prenne Tahm Kench côté pulsa, j'aimerais bien voir cette synergie qui existe entre les deux joueurs. C'est vrai que Jhin Tahm Kench, c'est tellement inquiétant d'arriver en fait. Dès que tu arrives à trouver ta floraison mortelle, tu peux être sûr et certain qu'il va réussir à trouver ses trois marques le Tahm Kench. Ouh, ça marche aussi, ça marche très bien aussi à Thresh. Maintenant, Pulsas, moi c'est peut-être le joueur qui est moi le moins convaincu pour Game of Origin. Maintenant, est-ce que justement avec Thresh il va réussir à jouer le pick comme il se doit, c'est-à-dire arriver à trouver ses grabs sur un Lee Sin et ses lanternes? Il peut empêcher le Lee Sin de jouer. Ouais. Ça, je suis clairement d'accord. Ornn, très bonne réponse aussi pour Dandan. Un pick qui est fort d'une part sur la lane phase, puisque tu peux arriver à push la batterie de spell en fait dont dispose Ornn est juste excellent. Il a en plus de l'engage dans les teamfights. Qu'est-ce qu'on prend? Ça empêchera pas de se manger un Maokai sur la top lane et de se prendre des engages Maokai Galio. Tahm Kench, ça manque peut-être un peu de dégâts. Tahm Kench. Ouh, le Vard dont tu as parlé. Oh, le Vardo de Oops. Nono. Ah, il est excellent. Il est excellent sur Vard. Il est excellent sur Bard, à mon avis, c'est Tringle. J'espère qu'il a pas perdu sa super, parce que c'est vrai qu'on l'a plus trop vu jouer des Bards avec la méta, évidemment. Qui, en fait, Bard, c'est un champion, malheureusement. Si t'es pas Godlike dessus, c'est mort dans la méta actuelle. C'est absolument mort. Il faut que t'arrives à trouver les CC. Tu sais, les CC dont trouvent les Bards. Je sais pas trop comment ils font, mais ils arrivent à trouver un skill shot derrière un creep qui était placé comme ça. Enfin, ils arrivent à trouver des trucs incroyables, et ça ne traînait pas justement de Moops. Et. Alors, le Renekton de Faxi, on l'a pas encore vu marcher. Voilà, c'est dit. À voir, après bon, on sait que les conquérants c'est fort,
ça se tombe. Avec l'ulti, le conquérant te laisse au corps à corps. Et du coup, tu deals full dégâts bruts. Ouais. 20% des dégâts sont en dégâts bruts. Mais pour l'instant, l'histoire, que ce soit en LCK, que ce soit en Ligue française, en circuit français, pardon, eh bien, l'histoire nous dit que Renekton, ça meurt. Voilà. Renekton, ça meurt, effectivement. Et en tout cas, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à prédire les pics hein, de la scène française, puisque ça reste quand même néanmoins vachement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en LCS. Par exemple, bah, les Lee Sin, Nidalee, bon, c'est pas des pics qu'on voit énormément. Donc, mais en tout cas, on joue une nouvelle fois des junglers qui sont très agressifs. On a vu Skins voilà, qui s'est laissé un petit peu dépasser par Tinx. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à avoir un petit peu de contrôle face à Nidalee? Il a un Lee Sin. Normalement, Lee Sin, oui. Là, ils ont une draft en early game. S'ils n'arrivent pas à tenir, sauf peut-être au top, je sais pas ce qu'il leur faut. Il y a la Caitlyn. En plus, c'est Caitlyn avec un Tahm, donc c'est méga safe dans le push et dans l'agression. T'as un Lee Sin. Sur la mid lane, c'est une Syndra, ouais. Pareil, en termes de domination, normalement une Syndra. En fait, en termes de 3v3, ou même en termes d'escarmouche, partout sur la carte, normalement, ils ont une super compo. Au niveau 6, il y a le dieu de la forge sur Ornn, qui permet aussi, dans les teamfights, dans les escarmouches, de venir chercher des couloirs dans la jungle qui sont énormes. Ce que j'aime bien, là, dans la draft, là, j'aime beaucoup la draft d'LDLC, parce qu'on s'adapte un petit peu au style de jeu de Geo, et on prend, ok, d'accord, vous voulez gagner leur league game ? Bon, on va faire la même. Après, le bémol par contre pour l'équipe LDLC, c'est qu'ils ont beaucoup de monotarget. Que ce soit justement Syndra, que ce soit le kick de Lee Sin, encore le dieu de la forge, Saïra, même une Caitlyn finalement, ça va faire beaucoup de dégâts sur un seul joueur en particulier. Alors que du côté des Gamma Origin, bah, il y a de là où eux, avec justement notamment ce Galio. On va voir encore, on n'a pas encore d'informations, est-ce que Galio va partir full tank, puisque maintenant il a Renekton sur la top lane. Est-ce qu'il va quand même. Il peut partir full tank, je pense, effectivement. Après, ça peut dégâts magiques. Enfin, une sorte d'hybride. Ouais, je pense que ça va être un hybride. Mais je le vois pas soit ne pas faire cascade adaptatif, soit ne pas faire abyssal. Ouais. Pour moi, c'est un des deux qui est quasi obligatoire, même en premier objet. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le masque abyssal, on va le voir. En tout cas, on va voir ce qu'il va nous proposer. Surtout que là, Dandan a quand même beaucoup de choses à faire avec son Ornn. Il doit réussir à assurer justement la tenue de lane hein, face à un Renekton. On sait bien que Renekton, ça peut être très explosif. Si jamais il y a un 0-0, ça peut se retourner contre lui. Puisque Renekton avec Conquérant, les dégâts bruts en fait que ça apporte, bah, même si tu pars full tank, finalement, bah, tu rencontres un énorme problème. Black Cleaver, full tank. Ouais. Exactement. Donc ça risque d'être un peu compliqué quand même pour Dandan, sachant qu'on a vu à chaque fois qu'il rencontre justement Faxi, il a quand même énormément de problèmes au niveau de sa lane. Et là, un Renekton qui peut trouver des décalages, un Renekton en plus qui va être appuyé par Galio, parce que là c'est très important en fait du côté des Game Origin qu'on ait un Renekton finalement qui soit bien dans la partie, parce que finalement qui va faire les engages, qui va permettre en fait de l'ultimate de Galio d'arriver. Dash Galio. Voilà. Ouais. Il y a pas beaucoup de solutions parce que c'est bon, on peut y aller à la Nida, mais. Je suis un peu sceptique. Nida, Zhonya first item. Let's go. Une stopwatch ne m'étonnerait pas plus que ouais. Ça. Effectivement, non, mais je pense qu'il y a des choses à faire de chaque côté. Le Ornn de Dandan est très bon. Donc effectivement, en fait, un Ornn qui arrive à ne pas se faire ouvrir sur la top lane, qui prend un peu d'aide du jungler, parce qu'il va falloir de l'aide, il faut toujours de l'aide du jungler pour, je pense, le Renekton sur le timing niveau 6 avec le Dominus. Ouais. Parce que je vois bien Renekton qui push, donc qui est un peu devant à l'XP, donc qui prend le niveau 6 avant le dieu de la forge. C'était un peu à l'époque les Renekton Shyvana. C'est-à-dire que le Renekton avait vraiment ce timing Dominus où il écrasait la Shyvana et après c'est la Shyvana qui reprenait le dessus. Je parle de 2013. Hein, 2013 ouais, 2014, mais on avait énormément effectivement à l'époque des Renektons. Je sais pas si tu te rappelles justement, push de Renekton, bah, comme tu en as parlé au level 3, arrivée du jungle, ouais, et c'était un dive. Le nombre de dives qu'on a vu justement avec des Renektons au niveau de la top lane. Donc effectivement, il va falloir faire très attention pour le Ornn, sachant qu'une nouvelle fois, des dégâts hybrides. Du côté de la top lane de la jungle, avec Renekton dégâts physiques, Nidalee dégâts magiques, donc c'est très très dur d'arriver à trouver une optimisation en fait qui convient pour le Ornn pour arriver à tenir justement contre l'agressivité des deux champions, sachant que bah une nouvelle fois le jungle des Game Origin a tout intérêt à faire avoir une présence sur la top lane. Normalement le Ornn il est plus ou moins obligé soit de faire cœur gelé soit gantelet givrant pour le Ornn, parce que Ornn a des soucis de mana sinon, ouais. T'as besoin de CDR aussi, donc c'est généralement tu vois toujours un linceul de glace qui pop en premier, ce qui est pas idiot contre un Renekton. Après, le problème qu'amène le conquérant, c'est que avoir de l'armure contre des dégâts bruts, ben il y a toujours un moment où le conquérant te fait très mal. Exactement. Et la valeur qui est importante, effectivement, ben, c'est les HP en fait pour un Ornn face à conquérant. Donc cœur gelé, c'est très sympathique. Effectivement, ça t'apporte un pool de mana, comme tu l'as dit, de CDR et d'armor qui est non négligeable. Plus évidemment le passif qui est excellent face à tous les champions qui auto-attaquent, puisque ça réduit l'attaque speed. Mais quand t'as 1000 caleçons HP face à conquérant, tu te fais ouvrir.
Tu te fais ouvrir. Tu te fais exactement ouvrir. Donc on va voir un petit peu ce qu'ont proposé les deux jungles. On est rentré en tout cas dans cette game, potentiellement dernière game de la soirée BO3 entre LDLC et Gamma Origin pour le seed. Une cape solaire à l'ancienne. Pour ouais, éventuellement. Pourquoi pas une cape solaire? Mais ça, bon, c'est un peu plus trop. Ça apporte pas de CDR quoi, c'est un peu le problème de Capsule. Oh, il a pas Poulio. Hein, il est où Poulio? C'est qui Poulio? C'est le nouveau skin de Galio. Ah, Poulio, c'est Galio, ah, poulet, c'est Poulio. Ouais. Bah du c'est coup, ils l'ont pas. Il est bloqué 5. Dessus. Ils l'ont pas sur 8.5. Ah mais oui, c'est vrai, c'est 8.6. C'est vrai que c'est sur 8.7. Ouais. Excuse-moi. Et même si Vire Pizza est très sympathique d'ailleurs. Alors, je l'ai pas vu passer encore. Elle est géniale. Elle est géniale. Et tu me lances beaucoup de pizza en ce moment, non? Tu me lances de la pizza, ça va mourir de rire. Et en tout cas, voilà, on va commencer au niveau du Red Buff. Donc, départ comme la game précédente, finalement, les deux jungles qui commencent par le Red Buff. Avec du coup, peut-être une priorité sur la top lane pour Skins, on va voir. Skins, en tout cas, qui est bien aidé hein, de la part de Faxi. Même Faxi qui a tanké un petit peu les coups du Red Buff pour pas que Kings perde trop d'HP. On va le kite. Bon, il a un peu de marge sur sa top lane. je me fais pas trop de soucis pour lui. Et par contre, Noah, on va se retrouver peut-être dans les mêmes problèmes que tout à l'heure. Bouge décal. Exactement. Comment on va faire pour arriver à tenir Tonnerre? Après, c'est un... Ouais, non, bah non. Je veux dire, c'est un Galio, mais ça décale tout aussi vite sur l'ulti. Ouais, c'est ça. Et en plus, il a un téléport, donc il a un TP d'avance par rapport à son vis-à-vis, qui est voulu avec une Klims à raison hein, pour Eka. Donc ouais, il va falloir trouver des solutions effectivement pour LDLC, pas se laisser dépasser une nouvelle fois par Tonnerre, avoir peut-être la présence de la part de Skins. Après Skins a tout intérêt finalement à juste montrer en fait, se montrer sur la mid lane, empêcher le push, le wave clear de Tonnerre, et ça devrait normalement suffire à faire respirer leur top laner. On va voir ce qui va être proposé, en tout cas Skins peut-être, avec son premier grand coup, bot lane. Il y a un grand corps, le flay, ça va être un grab, moops. Oh waouh. C'est beau, le bardo de moops. Et attends, ils auraient pu turn limite avec l'ignite hein. C'est pas joué de loin. Moop qui a été excellent au niveau des dodges. Et Dadan, comme attendu, qui a la pression au niveau de cette Le Renekton, Nono. Et regarde le décalage de Syndra aussi. Le Renekton, la spéciale. Qu'est-ce qu'on fait un Renekton? On le campe et on le dive. Oh, Faxi. Pour punir de jouer ses pics conquérants. Téléport de Galio instantanément. Bien entendu, le premier stun qui va passer sur Lee Sin. On va forcer un dash. On cancel le TP? Bien sûr, on cancel le TP. Mais ils reviennent! Mais bien sûr qu'ils reviennent! Oh, le TP est cancel! Et le flash ne servira à rien, c'est un first blood. La spéciale Renekton, Nono. Le temps attendu dive, effectivement, mon Faxi. Heureusement, il a son téléport indisponible. On va refaire un grand coup niveau de cette bot lane. Le grab qui ne passera pas, Kong qui prend beaucoup de dégâts, le flash out de la part de Kong, flash in du côté de Ting, ce sera un kill quand même de récupérer en cross map, même un double kill probablement. Voilà, on va prendre l'aggro, Pizzas, les spears, Ting. Il peut encore deux coups. Oh Moops, ce génie. Il va le tuer. Le coup de tour. Oh il wow. Manque une dernière auto, il n'y aura pas de décalage. Oh, tu m'as vendu son bard. Je suis époustouflé. Il est excellent, je suis content qu'il n'ait pas perdu sa super d'ailleurs avec le personnage. Il est vraiment très agréable à voir avec bard. Y aller. Eka qui a réussi à trouver son décalage au niveau de cette top lane, c'est un first blood. Pas de soucis, c'est un first blood en plus pour Skins. Ça va le mettre dans une bonne position quand même. On arrive à trouver la réponse cross map heureusement pour Tings, donc on tient en level. Sindeli, attention à pas se retrouver dans la même problématique où s'est trouvé Skins à la game précédente. Et Faxi. Est-ce que Faxi va réussir à être positif à la fin de cette game? Je sais pas. Le débat est lent. J'en ai pas vu encore des Renekton. J'ai pas vu en fait, c'est vrai. J'ai pas vu un seul Renekton en positif à la fin d'une game. Pas un en compétitif. Alors, on a pris l'info qu'il y a encore le blue buff et le gromp. La question c'est, est-ce que Tings va essayer d'aller chercher l'agression? Il est en retard en XP, niveau 4 contre niveau 3. Ouais, c'est bien ça, il vient de passer son niveau 4 et non, finalement il est au Corvin. Et on va aller prendre le bleu pour Skins. Allez, la conquérant, on essaie de trouver un petit peu de dégâts sur Dandan. Le CC par contre, qui est bon. Là, ils vont venir le chercher. Il a pas l'info, c'est un Lee Sin. Il a pas le dashboard en plus. C'est un Lee Sin, il se retourne. Mais il y a tout le monde, Skins. Il ne fallait pas te retourner. Pourtant, il y avait aussi le Galio avec. Bah ouais, l'information a dû être communiquée, la mid lane, là, de la part de Eka. Bon, là, vous voulez trouver un trait. Très très belle escarmouche là pour Gamma Origin qui trouve leur pick-up face à un Lee Sin. Et du coup, ça va être un Tinks qui va pouvoir se mettre dans une très très bonne position. Attention pour Comp, il n'y a pas de Shimmer Spell de disponible au niveau de cette duo lane. Si jamais on se fait avoir par le grab, plus l'Ignite qui revient du côté de Pulsas, ça va être mortel. Et regardez Faxi, ça y est, il est libre, ça y est, enfin. Il a eu un petit peu le soutien, en plus il a récupéré un kill sur Lee Sin.
ça le met dans une bonne position. Surtout que voilà, Tinks en trouvant ce pick-up sur, sur Lee Sin, bah il enlève son Gromp, il enlève les loups. Donc forcément, Skins n'a pas la priorité au niveau de cette top lane. Il va pas revenir au top. Se diriger au niveau de cette bot lane. C'est ça. Le taunt au corps à corps pour Eika. Et il est parti sur quoi? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore l'information. Hein. Pour le stuff de Tonnerre, c'est Dark Seal plus Anneau de Doran classique. Et il y a peut-être maintenant effectivement un move sur le bot side hein, avec le rappel. Ah, bah non, le rappel de rideau, on est niveau 4. Je me chauffe beaucoup trop vite. On n'y est pas du tout encore. On n'y est pas encore, mais ça va arriver. Effectivement, ça va être mortel. Hein. On voit d'ailleurs que Caitlyn, pardon, arrive pas à prendre le push hein, par rapport à son vis-à-vis. Et c'est un peu le problème. Le champion Caitlyn, c'est extrêmement fort en termes de pression. Oh. Oh là, l'agression. Non, faut pas prendre le tunnel. Oh, c'est pas le bon moment. Il y a toute la famille. Je suis pas sûr qu'ils aient l'info. Ils voient plus personne sur la mid lane. Tonnerre est prêt à TP. Hein. Et ça TP pour Tonnerre, on veut fight. Oh, c'est mortel ça. C'est dangereux, il n'y a pas de téléportation pour Faxi. Par contre, le catch sur Moops. Il n'y a rien à faire, Et c'est Comp maintenant qui va mourir derrière en plus. Pulsas qui arrive à se replacer avec un grab. Le filet, pas de problème. Et c'est maintenant deux joueurs des LDLC qui sont tombés sous les coups Gamma Origin. Est-ce qu'on peut trouver un troisième pick-up? Faut faire attention à l'ulti d'Eika. Tinks, il peut pas y aller n'importe comment. Il peut se faire one shot. La flore est mortelle. On arrive à trouver le slow. Tinks est vivant. Il a résisté au presseur. Il a survécu, ouais, alors qu'il a pas du tout de défense d'ailleurs. Excellente opération, il a encore level 5 en plus. Je sais pas si ce n'est pas le Red Smite qui l'a protégé, non, il a pas le temps de smite. En tout cas, les Gamma Origin qui arrivent à trouver leur pick-up. Faxi qui n'a pas encore son téléport, qui va revenir dans pas longtemps. Et les Gamma Origin du coup qui se met dans une très bonne position. Donc effectivement, pour revenir à ce pick de Caitlyn, c'est un champion qui est extrêmement fort en termes de domination de lane. Le problème c'est qu'en mid-game, bah voilà, c'est un peu mou en termes de DPS. Donc t'es obligé en fait d'avancer au niveau des objectifs, d'arriver à faire respirer aussi tes coéquipiers, d'à proposer un maximum de gold justement à toute l'équipe pour arriver à compenser cette faiblesse mid-game. Mais là, quand ça marche pas, quand ça marche pas, parce que normalement, Caitlyn, tu veux prendre une tour avant les 15, la T1, clairement avant les 15 minutes de jeu, rotate, aller au top, rotate, aller au mid. Et une fois en fait que toutes les T1 sont tombées, bah t'arrives au mid game sans les T1, c'est dur de venir chercher de la T2. Ah, c'est clair. Et du coup, tu peux juste camp et farm et stall la game. Mais là, effectivement, avec 10 creeps de retard et une T1 full live du côté de Geo, on a du mal à savoir ce que va faire Comp à 15 minutes de jeu. Mais il a peur de rien lui. Il sait même pas où est Lee Sin. Il a l'information sur Lee Sin. Je suis même pas sûr. Oh là 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 là. Qui touche absolument tous ses spells. Et c'est une nouvelle fois du coup une Caitlyn qui va être laissée toute seule. Et là Caitlyn qui est toute seule. C'est une Caitlyn qui va pas pouvoir mettre de pression pendant qu'il y a un trade. Par contre au niveau de cette mid lane, le Q spell, le kick. Oh non, Skins. Il n'y a pas le droit de rater ces ganks là. Ils sont tellement importants pendant que t'as duo lane en train de se faire rouler dessus. Surtout que il a pas de Chimonar spell, Tonnerre. Et ouais, c'est bon. Non, mais Tinks, arrête-toi! Arrête-toi, la spire! Et ça touchera pas! What? Dommage, j'avais pas le Red Smite! Tinks, y'a pas de Red Smite! Et du coup, c'est Combe qui va pouvoir respirer légèrement. Il a récupéré 300 gold, c'est excellent. Mais regardez évidemment Pulsas et Toaster qui s'en donnent à cœur joie au niveau du bâtiment. Et là, un Jean qui va pouvoir récupérer une first brick. Ça fait mal. Hein. Est-ce qu'on force cette tour? Peut-être pas tout de suite, peut-être pas sur ce punch. Ils ont vraiment pas d'infos. Il manque le mid, il manque le jungler, ils ont une pauvre ward perdue dans un tribush. Là, ils sont en full back sur la totalité. Nida est pas là, qu'elle est morte. Galio est back, Renekton est back. C'est pas le moment où tu forces une tour. Ouais, on va attendre un petit peu le soutien probablement de la part de Tinks. Et on voit d'ailleurs une priorité un petit peu moins haute là au niveau des dragons. On voit quand même qu'il y a un petit peu de répondants pour LDLC. Les Game of Origin qui vont essayer de forcer évidemment cette tour. Hein. Si jamais ils récupèrent cette first brick face à une Caitlyn, c'est une Caitlyn qui va être terriblement embêtée pour toutes les raisons qu'on a dit. Surtout qu'un Jean, et bien finalement c'est fort à tous les stades de la partie, Jean. C'est vrai que ça n'a pas de faiblesse en fait, Jean. C'est très bon en push en réalité, avec ces grenades d'ensemble que tu peux spam allègrement. Surtout avec Presence of Mind ou le catch. En crit, c'est très bon en late maintenant, c'est très bon en mid avec son ulti. Non, moi je suis d'accord que le pick est juste complètement godlike. Ouais, il est godlike. Je trouve que c'est ultra fort. Après, c'est bon en push, mais sur la lane, tu peux te prendre des lane bully. Oh, c'est pas mal ça, par contre, de la part de Moves. Du coup, la réponse va pas faire attendre. Il faut réussir à trouver un back. Est-ce qu'on a une lanterne disponible pour Pulsas? Lanterne peut-être. Il y a un flash pour Tonnerre, s'il va utiliser. Non. Il n'y a rien à faire, mais par contre, c'est une tour top qui va être récupérée. La force brick à l'avantage des Gamma Origin. On va essayer de trouver une réponse au niveau de cette mid lane avec le pick-up sur Tonnerre. Mais sauf que ça va être deux tours en fait qui vont perdre. Il faut trouver une comp. Il doit se mobiliser là sur la bot lane. Ah, il n'aura pas le temps.
Il aura pas mid, le temps. Oh, tu n'as pas Great Toaster. Il y a quand même un Bard. Bard, c'est un... Il a pas d'ulti. Non, c'est vrai. Il y a un Bard sans ulti. Ouais, mais c'est le, ouais, Magical Journey. Le Magical Journey, ouais, il peut aller très vite. Et un peu, peut être surprenant. Game of Origin, par contre, qui fait une belle opération. Puisque finalement, certes, ils perdent la tour sur la mid lane. Mais ils récupèrent deux tours au niveau des side lane, plus un héros de la faille. Et sans compter évidemment tout le farm qui a été partagé hein, du côté des LDLC, d'être 4 sur la mid lane. C'est autant de farm, autant d'XP qui s'en split entre tous les joueurs. Oh là là, par contre là ils vont se prendre à 3 contre 2 s'ils décident d'aller agresser dans la jungle. Au niveau... Il y a un dieu de la forge qui est parti d'ailleurs au niveau de la jungle. Et ce sera le kill qui s'est pris. Ouais, mauvais engage là, ils auraient pas dû rester là-dedans. Ils sont peut-être un peu trop confiants dans leur move, ouais. les Gamers Origin. Bien joué là de la part de Eka qui trouve son pick-up. 2-0-2 là, le midliner LDLC. Peut-être qu'il arrivera à faire respirer ses coéquipiers suffisamment en tout cas pour que Comp rattrape son retard par rapport à son vis-à-vis. Sachant que Toaster maintenant a l'essence River. Oh, moops. Oh, oh. Oh. Ah, c'est pour Pulsas. Ah, et là ils sont en train de scorer les LDLC, ils sont en train de prendre des pick-up absolument partout, ah. Attention, moops. Pas Toaster. Pour la mobilité, on va pas la chercher, ce sera un heal plutôt qui va être utilisé. Pas de bot à disposition et il y a un téléport, deux factions niveau setup lane, 1-2, toujours pas en positif, hein, le Renekton. Ne sens jamais. On l'attend, il a pas encore le Black Cleaver non plus, hein. Il peut pas spécialement mettre de rythme, mais au niveau de cette mid lane du coup pour Tonnerre, on n'a pas d'informations plus que ça, encore. Est-ce que ça va être un bâton séculaire? Est-ce que ça va être un masque adaptatif? On va avoir une réponse, probablement un élément de réponse dans pas longtemps sur son prochain bac. En tout cas, du coup, les Game of Origin qui ont tout intérêt à partir sur la mid lane, c'est vrai qu'on en a pas parlé, Noah. Mais la pression que peuvent installer. Oh! Oh oh oh, c'est une lanterne. Là, ouais, tu peux pas la prendre. Non. Ah, par contre, il y a le backup. Eka qui devrait pas pouvoir s'en sortir. Oh, le heal de Moops! C'est propre. Oh là là. Et c'est vrai qu'ils ont une range, hein. Pour le coup ils ont beaucoup de range. Les DLC sur jeu de move, Faxi, flash out de Eka, il l'attendait. Il y a une lanterne de backup, on va la prendre. Moops qui... Et il est excellent. Il fait la pluie et le beau temps avec son bard. Il est excellent avec son bard, ses ultimates sont parfaits, ses CC sont parfaits, ses petits heals sur à la limite sont excellents aussi. Là effectivement il y a peu de choses à reprocher aux joueurs. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour permettre à Comp justement d'avancer là au niveau des items? Attendre ces trois items salvateurs hein, pour une Caitlyn pour arriver à trouver le DPS. Surtout face à un Renekton et un Galio, ça va être quand même compliqué de trouver les dégâts qu'il faut. Les Renekton, j'ai vraiment... Alors c'est sur le niveau 11 où Renekton est dangereux, vraiment dangereux. Donc on va voir effectivement, il y a très longtemps, fort longtemps de cela, le Dominus avait été nerfé sur la première activation du Dominus. Mais la deuxième activation était restée assez normale. Et c'est vraiment il y a longtemps. Donc c'est vraiment le niveau 11. Mais là ils ont pris tellement de kills. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est beau. Bonne téléportation, dommage, le Q-spell, de skins. Est-ce qu'il y a du backup? Faxi n'a pas de téléportation. Il y a un Galio avec un ulti. Allez, faut sauver au moins un joueur. Il a tenté l'ulti, ils engagent en plein milieu. Dommage qu'il ait pas taunt la skin. Il aurait pu tomber, du coup ça crée une ouverture au niveau de cette mid lane. Où est Toaster pour le moment? Je vois pas Toaster sur la map. Ah ok, il est fondu avec le Thresh. Attention par contre au pick-up, le stun qui est passé, est-ce qu'on arrive à trouver un One Burst? Est-ce qu'on arrive à trouver un One Burst? C'est oui, un R. Ce sera un One Burst, mais voilà, le grab peut-être en réponse. Il n'y a pas l'aggro de la tour, le dernier auto-attaque du Thresh avec l'Ignite, ça passe. On trouve la compensation 1 pour 1. Il n'y a pas d'assist hein, pour Toaster. Main tour, ouais, effectivement. Main tour bot quand même à l'avantage des LDLC. Ça y est, c'est une Caitlyn qui respire. Et ils se font ouvrir là, les Gamers Origin. Skins, il met un rythme dans cette partie. Finalement, celui qu'on n'a pas vu avec le Caitlyn Leblanc, ils arrivent à. Enfin, avec le Nidalee Leblanc. Ouais. Ils arrivent très bien à le faire. Ils arrivent très bien à pick-up. Oui, ils ont beaucoup de mono-cibles, certes, oh. Tu l'avais dit. Il devait arriver à terme. Probablement, ouais. C'est vrai que c'est longtemps quand même. Maintenant qu'il a récupéré, on a 15 minutes de jeu, Noah. Mais là, pour le coup, ils le voient arriver, ce héros de la faille. Ils ont le temps de se mettre à 4 en défense. Ouais, et surtout que Tings va pas push la lane. Il va laisser quand même son farm à son carry AD pour pas qu'il prenne trop de retard sur le vis-à-vis. Allez, côté Gamma Origin, faire attention au Bard, faire attention à Skins qui trouve beaucoup de mobilité. La charge qui va quand même passer. Oui, qui passera. Oh, le beau héros de la faille. Ouais, pas terrible. Malheureusement, il n'y a pas un meilleur timing et du coup, ce sera un masque abyssal effectivement pour Tonnerre.
Ils ont besoin d'une frontline, ils se font trop dive, ils se prennent trop de combos one shot. Maintenant la rage du dragon de Lee Sin qui fait énormément de dégâts. Et on est en train de préparer un très très bon mid game à cette Caitlyn. On avait eu peur de la phase de lane, et finalement c'est dans les escarmouches qui s'y sont retrouvés la DLC. Ouais, et Comp, ça y est, maintenant il a récupéré son cull, il est even en farm par rapport à son vis-à-vis malgré la pression qu'il a reçue en early game. Il a le static shive. Bon. Les tours sur les sidelines sont détruites. Ouais, on est en bonne position, maintenant il y a un dragon. J'ai pas eu l'occasion de voir quel était le dragon, attention. Oh, bye bye. Il a mieux joué. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu Syndra. Sauf chez POE. Ouais. Il a jamais eu le temps de faire des one shots. Et le push maintenant. En fait, Eka, oh, il touche là. tous ses sputten, quoi. Il est trop fort sur sa Syndra, Eka. Parce que oui, certes, il y a un press air pour Syndra, mais avant tout, il faut quand même arriver à toucher son stun. Mais regardez, du coup, en termes de pression, bon, on perd sur toute la map, si ce n'est peut-être cette top lane, encore. C'est Dandan qui décide de trouver des décalages, il n'est même pas derrière en farm par rapport à son vis-à-vis. Donc là, c'est une excellente opération en fait pour le DLC qui arrive à jouer sur deux lanes en même temps, plus... Ah non, trois lanes même, plus le dragon du coup désert. L'impact de Faxi avec son Arrington est tellement inexistante. Par rapport à ce qu'il était capable d'offrir avec son Maokai, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent hein, Gamers d'origine avec ce Renekton. Il marchait pas, il marche toujours pas. Alors reste toujours un peu le problème aussi, c'est qu'on sait pas vraiment ce qui se passe pendant les scrims quoi. Donc, c'est vrai. Est-ce qu'il a pas énormément de réussite justement avec son Renekton pendant les scrims, et là au contraire. Il a mangé le gank nature comme toujours. Ouais. Ah le premier, c'est vrai qu'il a été dur. Hein. Le décalage de EK plus de skills au level 3 ou level 5. Il fait mal. En tout cas, Eka qui est très très bien dans la game, 4-1-4. Il arrive à mettre du mouvement. Pareil pour Skins, 4-1-2. Actuellement, il part sur une transition Black Cleaver. Donc, on sera néanmoins pas très tanky pour LDLC. Attention au pick-up potentiel. Bah, pas en pick-up. Oh, il a quand même flash out. Il est loin. Ça va, ça passe. Il a une raison mortelle. Et il va partir parce que sinon, il sait qu'il y a un headshot qui va arriver de comp. Gaillard qui a tenté de se mettre à portée d'ulti, mais c'est encore une T1 qui pourrait tomber. 4 tours à 2, on est déjà à 3000 gold d'avance pour les DLC. La défense se positionne, c'est douloureux, il y a peut-être un potentiel de dame avec Moops et Eka qui sont en train de décaler, c'est dangereux même cette position au top. Ah, ils doivent lâcher la tour, trop dangereux. C'est un Lee Sin, hein. C'est avec un ulti de Moops, ça peut aller très très vite sur les pick-up. Et Syndra est trop inquiétante en fait. Et du coup, on va arriver à une problématique en fait pour Game Origin. Comment on fait pour proc l'ultimate de Galio? Je sais pas. On envoie en front lane. Bah, personne, sachant que Faxi est parti sur un Tiamat. Oh, non, pas bye bye. Oh, il a survécu. Oui. Oh, heureusement qu'il a récupéré ses bottes de mercure. Et la Nida qui ne peut rien faire maintenant. La Nida qui ne peut rien faire, le Renekton qui ne peut rien faire. Toaster qui est dès qu'il se prend quelque part, il se fait ouvrir, il a 0-3, il est maintenant en déficit de farm, on perd toutes les tours, tous les dragons. On n'arrive pas à gérer la compo full burst de LDLC. Tout simplement. Et malheureusement c'est que à part le Jhin en termes de scaling chez Geo, a pas grand chose. Bah c'est vrai que je m'en rends pas trop compte en fait de Renekton en c'est late game. C'est... Avec Conquérant. Même avec Conquérant, c'est pas un Jax quoi. Ouais, c'est sûr. Et pour le coup, Jax Conquérant. T'as des coupes. Dandan d'ailleurs, hein, un Jax qui est monstrueux. Peut-être on aura l'occasion de le voir, puisqu'ils ont l'air d'être bien partis quand même à le DLC. Ça sent la troisième. Maintenant, attention quand même au travers le DLC, parce que si mes souvenirs sont bons, ils ont quand même un peu de mal à transformer leur avantage en early game. Oui, oh oui, ça s'est passé pendant la GA, ils ont pris parfois, ils ont pris l'avantage en early, ils n'ont pas réussi à transitionner, et ils se sont fait rattraper. Mais après là, vraiment, le scaling de Geo m'inquiète, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait des erreurs à le DLC, là, la Caitlyn... Ils ont de la marge. Elle a de la marge, elle va arriver à 3 objets, et une Syndra à 4-1-4, bah à moins de tenir encore 30 minutes de jeu, elle va tout de même continuer à proposer des one-shots sur cette pauvre Nida. Oh. Oh, Faxi, c'est gagné quand même. Non, il va y aller, pas de lente. Lanterne un petit peu tard. Mais on arrivera quand même à se replacer. Est-ce qu'il y a un dive à faire au niveau de cette top lane? C'est une Syndra maintenant qui est un peu laissée à l'abandon. C'est un skin aussi qui est un petit peu en overextend. Il y a Faxi qui va couper le chemin. Est-ce qu'il peut y arriver à temps? Ouais. Et le disengage, il y a eu un flash out de Eka.
Et un flash in de Faxi, effectivement. Oh, par contre, c'est Toaster là qui se fait un V1 par Moom. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? On va se replacer quand même rapidement. C'est une Caitlyn du coup. Regardez, elle a un boulevard, hein, la Caitlyn sur la mid lane. Pas de problème, le grab qui ne passera pas non plus. On va juste essayer de les zoner au maximum. Voilà. Et c'est traverser les abysses. Traverser les abysses. Magical journée. Pardon. Ah, il le suit, il se fait dégommer derrière le dieu de la forge. Oh, et on va l'envoyer en plein milieu dans le teamfight. La feinte, l'ulti par contre de Moose qui ne touchera pas Faxi, qui se fait démonter par contre. La lanterne, il arrive pour mieux mourir dans les mains de Moops et Pulsas aussi. Nashor. Les DLC sont en train de dérouler, Nono. Il y a le Nashor éventuellement qu'on peut aller le challenge là pour le DLC. On a les dégâts qu'il faut, on a récupéré un dragon des montagnes en plus. On a un Lee Sin maintenant qui fait beaucoup de dégâts, level 12. Il faut un tank. Dan, il faut se mobiliser, Moops. Il va tanker un petit peu pour le moment. Le sauveur de la game. Oh, le rappel des Raidos qui va faire. Ils vont devoir l'abandonner. Petite joute de Spear. Oh, il a la rage du dragon, Skins. Il l'a. Non, on va pas y aller. En tout cas, ça reste un excellent pick parce que d'une part, on arrive à récupérer un kill. De l'autre, on prend la T2 sur la mid lane. On arrive à faire perdre une wave énorme au niveau de cette bot lane. Regardez le nombre de farms que sont en train de perdre les gamers originaux au niveau de cette T3. Heureusement, Renekton va arriver. Mais voilà, un petit peu tard, il n'arrivera pas à maintenir son avance par rapport à son vis-à-vis. 200 crit de part et d'autre. Et cette tour mid, évidemment, qui est très très embêtante pour Gamer Origin. Toaster, est-ce qu'il a son rapid fire canon? On en a besoin. Il faut arriver à tenir. Les premiers items maintenant, armure, vont pop dans le stuff de Faxi. Tellement de retard. Faut juste qu'ils jouent maintenant. Ils ont quasiment perdu leur T3 bot. En fait, ils ont pas la solution, donc ils forcent des agressions, ils se font tempo. Et pendant ce temps-là, ils se font manger parce qu'ils sont tellement en fait en désavantage que ils ont pas vraiment le choix de leurs actions. Et ça va être le moment de all-in Nashor bientôt. Parce que les DC vont y retourner dès qu'ils le pourront. Et le fight en 55, même devant le Nashor, je vois pas comment ils le mènent. J'ai très peu d'espoir sur les chances de victoire de Gamers Origin. Ouais. Bah, il faut voir l'erreur en fait. Si jamais il y a du côté le DLC. Dragon des airs qui va faire son apparition maintenant. On va quand même aller challenge pour Gamers Origin. Malgré la présence de ce Nashor et malgré les 6000 gold de retard hein, par rapport à leur vis-à-vis. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Voilà, on va back up rapidement. C'est midlife et c'est un dragon en poche. Il y a un décalage massif. Le DLC. Pas le moment de récupérer la vision. Oh, Moops. La spire. Pas de problème. Pulsas, rappel de rideau. Moops qui tombera sur l'Ignite. Tonnerre qui va essayer de rentrer par le flanc. Faxi qui va. Il a pas de smite. Il a pas de flash pour avancer. Faxi. Le taunt. On va le mettre sur le tank. Mais Tonnerre qui ne tank pas assez. Il y a trop de dégâts. L'ulti du Galio en plein milieu. C'est complètement esquivé. Il n'arrive à rien faire, les Gamers Origin. Le flash in de comp. Ouais, Toaster maintenant qu'il est à l'abandon, qui va quand même réussir à se replacer avec un flash, mais ça ne suffira pas. Le kill, le double kill pour la Caitlyn, kill supplémentaire aussi pour Skin. Ça va être un free Nashor, un boulevard, à moins que Tinks. Le génie du smite. Peut-il faire l'impossible? Il a combien? Il a un level de retard? Il a un level de retard par rapport à son vis-à-vis. Malheureusement. Peut-il le faire? Bah, il faut le tenter parce que de toute façon ils perdent. S'ils prennent pas, s'ils veulent pas ce Nashor, ils ont aucune chance de défendre. Donc faut le tenter, mais bon. Ouais. Les LDLC. Mourir pour mourir, autant le faire, je pense. Parce que bon. Là, en plus, il y a déjà des grosses vagues, et là, il y a juste sa reset. Et ce ne sera pas possible. Le bannière de commandement qui était en train de push. Et on va attendre le coup final, LDLC, qui va pouvoir scorer sûrement l'égalité. Ouais, effectivement, on a l'air d'être bien parti pour. Même si Liliandry maintenant on fait apparition dans le stuff du jungle et du midlaner Gamma Origin, ça ne devrait pas suffire en termes de défense. 10 000 gold de retard par rapport à leur vis-à-vis. Le Solari qui est en poche aussi pour Pulsas, peut-être pour arriver à protéger un des joueurs sous le déferlement de puissance qu'a proposé Eka. Mais là, effectivement, c'est LDLC qui sont bien trop en place. 3 items partout. Un midlaner qui est armé jusqu'aux dents. Rabadon en poche, l'archange. Transition Morello probablement pour lui. Faisons le point Renekton. Toujours pas positif. Oh, le grab est pas mal. Si on arrive à trouver le pick-up, par contre sur Caitlyn, ça peut être pas mal, ça peut les faire respirer. On prend beaucoup de dégâts, cela dit du côté de Thresh, c'est un tonnerre. Maintenant qui est un peu laissé à l'abandon. Ah, ils vont y aller, ils vont enchaîner. Eka qui va essayer de revenir. Tonnerre qui tombe. Oh, Faxi. Déjà 2 morts chez Gamers Origin. Eka peut-être pour un stun. La Spear qui touchera sur Moops. Mais il n'y a plus qu'à attendre maintenant les sbires pour essayer de recommencer à push. C'est vrai que sans Caitlyn, ça va être plus lent. Mais pas impossible.
Oh, il est confiant quand même, Toaster, à chaque fois dans ses placements là, il s'est fait pick up deux fois par le Syndra et pourtant il tient le front. Et ça peut peut-être réussir à faire temporiser un petit peu les gamins d'origine. On arrive à trouver ce pick-up, on est certes en infériorité numérique, mais voilà, il n'y a pas quand même le destructeur de bâtiment. Il y a un champion puisqu'il pop pas mal du côté de Tinx. Je vois toujours pas comment il remonte sans armure en fait. Il n'y a pas d'armure. Tonnerre, on l'a vu, il s'est fait découper par la Caitlyn. Compilé, mais tellement free DPS dans les fights. Le seul qui a de l'armure, c'est Faxi. Et quel objet, parce qu'il a un peu d'armure sur la bannière et il a de l'armure sur la plaque de Temor. Bon, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, attends, j'ai un peu push la mid lane. Non, il y a quand même le Nashor toujours qui tourne hein, du côté de LDLC. Faxi par contre qui a un bon flank, Faxi qui a un bon flank, est-ce qu'on peut arriver à trouver un pick-up? Non, le one shot peut-être. Eka qui n'arrivera pas à trouver son one burst, mais voilà la floraison mortelle qui est passée, flashing de la part de Faxi instantanément bien entendu. L'ultimate de Galio qui va apparaître sur un joueur, malheureusement ce sera pas suffisant. Trop de dégâts pour LDLC, fin du fight. Fin de la game, fin de la game, il y a un push à faire au top, il y a encore du Baron Nashor. On va finir Toaster avec un son de Moops. Il est dingue. Ch'tonk, ch'tonk. Il est dingue. Et Skins a été excellent aussi. Quelques Q-spells ratés sur son Lee Sin, mais il a su se montrer aux bons endroits, au bon moment, faire les bons ganks. Et quand Eika et Skins ont commencé à jouer ensemble, et ben c'est ce qu'on attendait sur la game précédente. Les Geo n'étaient pas en mesure de suivre, ce qui va donner une égalisation et un partout. L'espoir est là, ça faisait un bout de temps que LDLC, depuis à Lyon eSport, que LDLC n'avait pas battu Gamers Origin. Imagine, tu vois, au lieu de Nidalee, tu prends Olaf qui était disponible, je crois. Ouais, ouais. Olaf était disponible. Ah bah le Lee Sin, il bégaye. Ouais, Orianna, on a hésité aussi à prendre Orianna pour Tonnerre. Tu prends Olaf, Orianna face à la composition, tu peux rien faire. Tu peux rien faire pour LDLC. Mais voilà, petit draft effectivement qui est passé un petit peu à côté pour Gamer Origin. En tout cas, on n'a pas réussi à respecter les conditions de victoire, c'est-à-dire faire snowball évidemment Nidalee, utiliser le bon avantage qu'il a réussi à prendre finalement au niveau de cette botlane aussi. C'était une Syndra qui s'est montré trop autoritaire. C'est un Moops qui a réussi à faire des décalages qui étaient juste incroyables à chaque fois. Impérial Moops. Et Eskins aussi qui a été très très bon. Donc voilà, évidemment, on va voir de votre côté qui le MVP de cette game. Nous, clairement, je pense que je m'avance pas trop en disant que nous aussi on va mettre Moops tous les deux. Moops, il y aura une petite pièce sur Eika aussi, mais Moops. Ouais. Moops parce que c'est lui, c'est lui qui a signé la remontée, ouais, qui a tout tempo, qui a tout fait. Enfin, bref, mais c'est vous qui jugez, c'est votre MVP, pas le nôtre. Et donc, vous votez avec top, jungle, mid, ADC ou support. Ça nous amène vers l'ultime balle de match. Un partout, c'est un BO3. Le gagnant du prochain match ira directement en group stage pour les European Masters. Ce sera après la pub, à tout de suite. De retour pour la balle de match de ce tiebreaker, un partout, Geo, grosse élimination sur la première, LDLC qui leur rend l'appareil, avec eh bien, un Syndra Bard plus Lee Sin qui a très très bien marché, un Renekton de Faxi, une fois de plus, parfaitement inefficace. Ouais. Mais bon, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a... Si tous... Tu laisses le Renekton dans son 1 contre 1, il stompe. Mais à partir du moment où il y a un grain de sable qui vient perturber la progression du Renekton, j'ai l'impression qu'il passe derrière et que c'est terminé. Exactement, ouais. C'est exactement ça. On a vu pas de pression de la part de Faxi avec son Renekton, alors qu'au contraire, le Horn, eh ben, il a le champ libre en termes d'engage en plus avec son dieu de la forge. Donc c'est vrai qu'on a réussi à accélérer en fait, au bon moment du côté des LDLC. Ils ont bien géré parce que d'arriver à faire comeback une Caitlyn qui avait perdu quand même sa tour. C'est toujours évidemment très complexe, donc bravo à eux. Maintenant, on va voir peut-être un changement au niveau des drafts, peut-être une draft un peu plus solide du côté des Game of Origin. Bah, j'aimais bien. Ils ont pris des risques. Tu avais dit Olaf Orianna. Ouais, Olaf Orianna, c'est fort. Tu mets Olaf Orianna. Mais c'est vrai que je suis pas dans la confidence des équipes, et pour le moment, écoute, on a pas eu de ban de Olaf et pas de priorité sur Olaf, donc je sais pas. Je m'en rends pas compte. Dans le 8.6, il a pas été touché. Non. C'est le 8.7 où il prend un gros nerf, dans le 8.7, puissqu'il passe de 50 à 20% sur sa rapidité de déplacement pendant la rage du berserk vers les ennemis. Donc il y a ça. Mais pour l'instant, effectivement, c'est très fort. Et quand on voit la priorité qui est mise sur les autres ligues, je pense en Corée, on voyait ton téléphone qui bougeait. Qui était passé, c'est pas grave. Ok, tout va bien. Superbe. On le voit plus. On le voit plus. Invisible. Donc oui, je suis sceptique. Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va voir la première game, en tout cas, qui dépasse les 30 minutes de jeu? Parce que c'est vrai qu'on a eu des games quand même qui étaient très explosives. Dès qu'une des équipes, qui arrive à prendre un avantage, en général, il la snowball instantanément. Il n'y a pas de comeback possible, j'ai l'impression, en tout cas, entre les deux formations. Donc peut-être justement avec des drafts un petit peu similaires, avec des drafts qui
qui ne scale pas peut-être de manière aussi aussi tôt. Est-ce qu'on va avoir des games qui dépassent, qui vont à 30 minutes, trouver des teamfights justement à ces items de part et d'autre? Oh, le ban de Syndra, instant. Gamers Origin en plus side, ban du Swain. Alors, Ryze encore. On laisse le Ryze et on contre un grand coup de Cassio. Ban de... ouais. Thalia, Ezreal. Ezreal pour Toaster, qui va être enlevé pour la deuxième fois consécutive. Ah. First pick, évidemment, Caitlyn. Alors, la réponse. Est-ce qu'on continue à jouer des champions agressifs? C'est la première fois que Ryze est blessé ouvert. Les deux midlaners le jouent, ils le jouent bien. Je pense de loin les deux meilleurs midlaners de France. Oh, Ashe en réponse de Caitlyn, c'est une belle opération là pour comp. C'est pas facile à mettre en jeu. Une Ashe? Ouais. Ah. Sur la lane c'est bien hein, mais... Après en teamfight, oui c'est sûr que ça prend, ça met un peu plus de temps. Après le kiting que ça apporte c'est quand même conséquent. Le slow aussi apporté par la salve, c'est quand même 1100 de range hein, la salve. Ginzo sur Ashe? Je pense pas. mais on peut rêver, je sais pas trop ce que ça donne d'ailleurs Ginzo sur Ashe avec son tir de Ranger. Quand même, mes 3 auto-attaques successives. Tu peux potentiellement les doubler, donc 6 auto-attaques avec une auto-attaque, ouais, c'est... je sais pas trop. En tout cas, le Ryze qui va être récupéré pour Tonnerre. On décide de continuer à jouer agressif dans la jungle pour Skins avec une Alicine et peut-être Evelyn en préparation pour Teams. Morgana tout de suite, ouais, a raison. Il y a la Thalia pour Ekka en réponse au Ryze. On est... ça tâche hein, de chaque côté là en termes de DPS, en termes d'agressivité. On a vu en plus que Tonnerre dans le match-up, du coup le même match-up avait réussi à mettre du rythme avec Thalia, enfin le match-up inversé, avait réussi à mettre du rythme avec Thalia contre un Ryze. Est-ce que Ekka arrivera à faire la même chose? On va voir. En tout cas les bans qui s'enchaînent, ban de Graves, Karma pour Game Origin, tiens, un ban étonnant, on n'a pas envie d'appuyer peut-être cette Ashe. Qui est pas mal du tout hein, contre une Morgana parce que tu peux faire popper le Black Shield très très vite, donc je peux comprendre. C'est vrai. Après c'est pas le seul support à DPS magique. Mais qui soit très efficace. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on veut jouer un Olaf dans la jungle et du coup on a peur de la capacité de disengage d'une Karma ou un Trundle? Ouais, c'est vrai. Piste. C'est possible. Après, tu fais mal de le dire en termes d'une part de dégâts magiques et de kiting aussi qu'apporte une Karma avec une Ashe. Ça va faire extrêmement mal à la composition des Gamma Origin parce que, bon, avec un Ryze, c'est fort certes, mais t'as besoin d'être assez proche de ton adversaire et en l'occurrence, t'arrives pas à mettre ta batterie de spell pour arriver à prendre ton passif. Évidemment, t'es beaucoup moins utile. Le donc Renekton. On peut le comprendre. Horn, Nidali, Renekton. Je crois pas. Pour pas deux fois, s'il vous plaît, pas deux fois. Alors. Il nous manque un support, il nous manque un top laner. Donc le support en premier. Tamken, je peux marcher. Oh, Ja. Alors là, on est. Comeback saison 1. Comeback saison 1, ouais. Ah ouais, non. Oh. Pas avec une. Non. Lulu. Ashe. Lulu Ashe. Ça poke un shield aussi, ça poke un black shield, voilà. Ça fait pas mal de dégâts, ça traîne bien, ça push très très bien. H Lulu. Pour le coup, ça va un peu venir gommer. Moi j'aime bien Lulu, c'est un peu délaissé ces derniers temps, mais je pense que c'est le pic est pas mauvais. Quasi explicite dans la jungle. Et on aime bien jouer. Ils font un tank, voilà. Et le Mao. Le Mao, effectivement, qui refait son apparition, comme à la première game, qui avait très très bien marché pour les games en origine. Un Gnar. Ou alors le Jax, tu mets Jax au top. Là ils ont même avec front lane Lulu, aussi hein. Hein. T'as pas besoin d'une frontlane du côté LDLC. T'as besoin d'une frontlane. Après tu peux jouer, t'as raison, hein, l'agression au maximum et trouver le split push. Tu peux faire du 1-3-1 avec justement du soutien de la part de Lissi, du soutien de la part de Thalia, tu peux jouer ça. Ah le Jax. Tout à le wave cliff qu'il faut. Non, pas prendre de risque pour LDLC, on préfère partir sur un tank. Une capacité de one shot évidemment avec Shogat en plus. Un pic excellent contre Ryze puisque voilà, comme on en parlait, Ryze reste très sensible au contrôle. S'il n'arrive pas justement à mettre ses spells, s'il n'arrive pas à prendre son Seraphin ou éventuellement son Zhonya, et bien ça va être embêtant. Et donc là en l'occurrence, bah, Dan a une grosse carte à jouer avec son silence. Faut qu'il passe vivant la phase de lane, sachant que Fassi et Tinks à mon avis vont le full décal au top. Je le vois bien un truc dans le genre. Par contre pour Ashe, entre le Mao et le Kha'Zix, heureusement qu'il a une Lulu hein, avec lui. En fait, t'as même pas intérêt en fait côté Game Origin à one shot Lulu tout simplement pour le Kha'Zix. Oui, tu peux trouver le one shot. Tu prends le premier, tu prends en début de partout, en mid game, tu prends le premier, tu tapes dessus. Après, effectivement, il y a un moment où le Shogat va être dur à tomber. Normalement, Shogat contre Caitlyn, ça peut souffrir.
Mais si Skins nous refait la même game où il vient chercher one shot des carries, parce qu'il y a de quoi venir embêter un petit peu Toaster, n'empêche. Hein. Déjà avec Soli Sin. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est bien joué, c'est un champion qui peut venir chercher n'importe quel backline. Donc moi j'aime bien la compo DLC. Après il y a Black Shield face à Lee Sin. C'est vrai qu'il y a le Black Shield. Et ça, à mon avis, ça va ralentir effectivement les opportunités d'engage pour Skins. Donc il va falloir pas se tromper. D'une part, entre le Black Shield qui peut prémunir d'une arrow de H, d'un kick de Lee Sin. Donc c'est vrai que pour la composition quand même LDLC, j'ai quelques inquiétudes. Je pense que de Moops en tout cas un énorme taf à faire justement pour arriver à protéger sa hache du one shot potentiel d'un Kha'Zix. Sachant que Kha'Zix, voilà, on connaît le champion maintenant, avec maintenant le up qu'il a reçu, le fait qu'il puisse se déplacer finalement au niveau des bushs invisibles et donc du coup récupérer la vision sur toute l'équipe adverse. C'est vrai que ça en général ça t'apporte une capacité de flank qui reste non négligeable, ou même le champion qui est un petit peu à la traîne du côté de LDLC va se faire pick up instantanément. Et là en l'occurrence on a que des champions finalement qui sont assez weak, assez sensibles justement à du burst de Kha'Zix, sauf le Cho'Gath bien entendu. Donc si jamais justement on est bien dans la partie du côté de Tinks, et on a vu hein, les deux games précédentes, il a été excellent. La game avec Graves, il a réussi à dominer sur son match-up face à Nidalee. Game précédente, il a certes perdu la game, il avait quand même 40 CS d'avance par rapport à Lee Sin. Cette game-ci avec Kha'Zix, il arrive à trouver exactement la même chose, ça va être catastrophique. Je suis assez d'accord. Après de toute façon, d'un côté comme de l'autre, vu les compositions, le snowball est permis. Ouais. Bon, faut voir qui dominera la mid lane. Normalement, Eka est censé avoir le push. Donc Eka est censé pouvoir contrôler Tonnerre. Si Tonnerre ne peut pas bouger, ça peut changer beaucoup de choses à la physionomie des games, sachant que la dernière fois, on a vu que Eka, au bout d'un moment, grâce à Assassin's Ray, il a pick-up des kills à droite à gauche, et après, il a pu dominer un petit peu. Donc voilà, c'est quand Tonnerre ne peut pas faire l'ambulance partout, quand Faxi n'a pas de présence du tout, ouais, forcément ça se passe mieux. Bon, maintenant le Maokai de Faxi, voilà, ils ont trollé, enfin j'ai vraiment l'impression qu'ils ont trollé une game Géo et qu'ils font bon d'accord, ok, peut-être que faut pas trop qu'on les prenne pour des enfants en face et qu'il faut qu'on respecte l'adversaire parce que ça reste LDLC, enfin LDLC ils avaient battu Géo à la LES, même si ça se passait moins bien à la GA, faut pas oublier que c'est une des c'est top 2 France. Ça arrive de passer à côté évidemment de certains tournois. Là en plus ils sont à la maison, donc c'est vrai que ça change quand même un petit peu du contexte en LAN où c'est un peu plus compliqué peut-être d'arriver à trouver sa concentration. On n'a pas forcément les habitudes qu'on a réussi à créer évidemment à la maison. Donc effectivement, il faut respecter les adversaires, mais les gamers origin en tout cas avec cette draft, c'est même dans une très très bonne position. Je suis curieux une nouvelle fois de voir en fait Tinks à l'œuvre, parce que c'est vrai que tous nos regards, en tout cas enfin mon regard, et tourner au niveau de cette jungle, l'affrontement entre les deux jungles, surtout que c'est les deux joueurs qui sont extrêmement agressifs. On n'a toujours pas vu en fait de tank au niveau de la jungle, un Zac, une Sejuani ou un champion comme ça, tu vois, qu'on a l'habitude de voir justement dans les ligues majeures. C'est que des joueurs qui jouent très très agressifs, donc malheureusement ils n'ont pas le choix, quoi. Ils sont obligés d'être excellents. Ouais. On vous rappelle, hein, parce que je vous vois nombreux venir sur le chat, à quoi sert le BO qu'on est en train de commenter? On est donc toujours dans l'Open Tour 2018, donc avec deux équipes qui sont à égalité en termes de points à cause donc des deux étapes qui ont été jouées, à savoir la GA et la LES et les qualifiers online. Donc Gamers Origin est à égalité avec LDLC et par région, donc les European Masters, c'est le nouveau format de compétition de Riot. Pendant qu'on va pouvoir partir bientôt dans la draft. Donc, où trois équipes de plein de régions, Europe de l'Est, UK, Berlin, etc. Enfin, donc Allemagne, Espagne, je crois qu'il y a Italie aussi, France, enfin, il y a beaucoup de régions. On voit trois équipes chacune. Le premier, c'est le champion 2017, donc chez nous, c'est Millennium. Le deuxième, c'est le premier au point. Mmh. Et le troisième, c'est le deuxième au point. Voilà, tout simplement. Effectivement, en tout cas, on est parti dans cette game. Dernière game entre les deux équipes, Game Origin et LDLC. Qui va avoir le dernier mot sur ce BO3 entre les deux formations, sachant que évidemment les deux midliners partent sur des intégrateurs. On a vu que c'était deux midliners aussi qui arrivaient à beaucoup bouger. Comme l'a dit Noah, ils font partie évidemment, si ce n'est les meilleurs midliners français. Oui, je pense, oui. Et voilà, si tu arrives à laisser en fait une petite ouverture à l'un ou à l'autre sur les décalages au niveau des side lanes, tu peux être sûr que ça va très mal se passer. Donc on joue avec des intégrateurs. L'avantage est quand même donné pour une Talia. Faut pas oublier quand même que Ryze au niveau de son, a été nerf au niveau de son Waveflear, puisque le E au niveau de la propension a été réduit quand même de 50% de dégâts, ce qui reste non négligeable.
Et non, du coup, bah, il va falloir trouver quand même des solutions pour Tonnerre. On notera évidemment le grimoire de Chéné pour l'avantage du midliner Gamma Origin. On va pouvoir switch éventuellement pour un téléport, plus tard après pour un Ghost. Sachant que le 1-3-1, parce que le 1-3-1, ils aiment bien les deux équipes. Là, l'avantage de qui? Est-ce qu'on aura... Shogat, normalement, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de 1-3-1 dans cette game. Normalement, il ne devrait pas trop y en avoir. C'est, à la limite, il y a Tonnerre qui peut faire quelque chose, mais vraiment, à la limite, parce que Caitlyn Morgana sur la mid lane, c'est inamovible. C'est impossible à enquêter à cause du Black Shield, ça a beaucoup de range, ça a du wave clear, dès que ça a le statique, même si le statique a été nerf. Le truc c'est que le push entre Faxi, entre Dandan, alors à la, sur le papier il a l'avantage de Dandan en late game, mais c'est tellement lent que je suis même pas sûr qu'on est censé le compter. Donc non, je pense que ça va jouer sur du team fight bien gras, peut-être qu'on va se retrouver dans une situation de haram au bout d'un moment. Après là pour Gamma Origin à mon avis, enfin même pour les deux équipes, on n'aurait pas à avoir de focus au niveau de cette top lane pour la première fois peut-être. On va laisser justement les deux tanks s'affronter, on a l'avantage évidemment pour Dandan hein, d'avoir du sustain grâce à son passif au niveau des sbires, il peut prendre n'importe quel trade, même s'il n'est pas à son avantage, il arrivera à sustain au niveau de la lane. Et allez Tinks en tout cas qui récupère son red buff maintenant. Peut-être proposer un premier gank au niveau de cette bot lane. Ça reste deux évidemment laners qui sont assez sensibles à un all-in. Et sachant qu'attends, oh dommage, j'aurais bien aimé voir une exo sur Pulsas. Parce qu'en fait, face à un H, il n'y a rien à faire. Face à tous les champions statiques, Morgana a tellement l'avantage. À partir du moment où tu fais un flash-in exhaust ultimate, même avec ton flash, le champion statique n'arrive pas à dépasser. Puis après, c'est cage ouais, garantie. Après, c'est 5 secondes de contrôle où tu ne peux absolument pas bouger. J'aime bien aussi. Ouais. C'est vrai que le pick Morgana est pas mal, et en tout cas, moi je vois pas spécialement en fait d'agression dans cette début de partie. Parce que pour un Kha'Zix, il doit récupérer beaucoup d'XP, il doit passer level 6, il doit justement jouer un maximum de sa mobilité avec son invisibilité. Au niveau de cette top lane, bah voilà, c'est un match-up de tank. Il y a peut-être du côté LDLC avec Talia et Lee Sin, ils ont tout intérêt eux à essayer de trouver des ouvertures, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et effectivement, je pense que s'il y a du kill, c'est au mid, s'il y a du roaming, c'est au mid. J'aurais tendance à le donner à l'avantage de Eka et Skins à cause du push de Talia en early game. Voilà. Allez, si je devais donner vraiment un avantage d'early, ce serait pour LDLC. Mais bon, c'est qui arrivera le mieux à lire son adversaire. Pour le coup, on a deux compos très valables, je trouve. Allez, l'information est récupérée. Là, la Pink Quartz qui est placée. Skins qui va peut-être aller en challenge au niveau du Gromp. Sachant qu'il est spot avec le Carapateur et Tinks qui vient. Il préfère pas engager ce Gromp pour le moment, finalement. On a trouvé une priorité au niveau de cette top lane, mais qui sera avortée complètement grâce au bon sapling, bien inspiré de Faxi. Il a plus envie de se faire avoir en level 3. Mais son Maokai est tellement plus consistant que son Renekton. Comme quoi, Faxi a toujours été destiné à jouer Maokai. Et là, voilà, on arrive à trouver le premier back pour Eka. C'est une belle opération, on va pouvoir se replacer. Faxi qui arrive à trouver le wave clear et le push du coup par rapport à son vis-à-vis. Excellente opération. Pendant que Skin se balade toujours au niveau de cette top lane, mais voilà, il y a des wards préventives, il y a un carapateur éventuellement pour arriver à protéger le top laner Gamma Origin au niveau de cette bot lane. Comment ça se passe? C'est even, 6 CS de retard néanmoins pour comp. Ouais. Ce qui reste non négligeable, c'est une wave entière de perdu quand même. Ouais, il n'y a pas tellement de farm à récupérer en rab. Hein. Donc c'est tout simplement, ça a été deny. Et c'est. Oh. Le push va pas, ça se tente. Le allez, push normalement n'est pas forcément censé aller à Caitlyn Morgana. Un volet de flèche Gritter Lance, ça wave clear sacrément fort. Ouais, avec une Lulu clairement. Après on se méfie aussi hein, parce que si jamais il prend une cage, tu peux être sûr et certain que ça va être une autoroute de CC entre le trap de Caitlyn et les dégâts monstrueux qu'une Caitlyn a proposé avec sa batterie de spell. En tout cas Tinks, peut-être qu'il va essayer de trouver une ouverture au niveau de cette bot lane. Le pigeon voyageur en prévention, ça a été ping. Hein. On est spot du côté de Tinks. Et d'ailleurs, il y a un décalage massif de la part de Lee Sin. Flash in. Oh, ça va être puni ça. Ça va être puni parce que ça commence à décaler. Ils ont toujours pas la formation, les gamers d'origine. Faut courir. Pulsas dans la tourmente. Toaster qui est pas bien aussi. Il y a un heal. Il va devoir mettre un heal. Ça a été positionné. Tinks obligé de flash out. Il est vivant. Il y a First Blood pour LDLC. Ouais, une belle opération, effectivement. C'est quand même 3 flashs utilisés pour LDLC. Mais on n'arrivera pas à trouver de compensation pour autant. Tonner qui a fait le décalage juste pour assurer le wave clear du coup. Uniquement spectateur de la mort de son coéquipier du First Blood offert pour LDLC. Belle opération, et ça va être une hache en plus qui va en faire les frais. Du coup, l'APF, l'attack speed surtout, qui va l'aider grandement à trouver son wave clear, à trouver ses auto-attaques, à proc son tir du Ranger, bien entendu. Oh, la poussée tellurique, très bien.
Pas mal. Qui prend un très bon trade sur Tonnerre. C'est un petit peu moins d'un midlife qui est imposé. Et la punition. Hein. L'LDC, très bon travail de map control. Et Tings qui s'est complètement pas. Il faut qu'ils fassent attention aux Legios, qu'ils ont tellement l'habitude de foncer dans le tas et de rouler sur tout, que le moment où ça passe plus, ça force un petit peu pour finir mort sous une tour. Ouais, effectivement, il faut adapter du coup son style aussi. Si jamais tous les early games à chaque fois passent à leur avantage, bah et on n'a pas forcément l'habitude de jouer quand on est derrière. Mais les gamers origines là pour le moment qui sont, voilà, qui sont toujours très bien dans la course. Toujours ce rush de level 6 hein, de part et d'autre pour l'Ulyssine mais aussi bien pour le Kha'Zix. Le smite trade évidemment qui est récupéré. Tins qui va se rapprocher de son level 6, voilà, à la suite de récupération de ce Gromp. Non, peut-être pas, il fera un cran supplémentaire en fait. Pendant que Skins lui par contre est passé level 6. Hein. Évidemment l'assist qu'il a gratté sur Pulsas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Skins? Est-ce qu'il y a une priorité à mener quelque part? Sachant qu'il n'y a pas de flash hein, au niveau de cette duo lane pour des gamers origines, mais comme on a dit, le kick qui va être difficile à placer avec le Black Shield. Tink s'y enchaîne sur le carapateur et on voit quand même qu'il y a un gros focus là au niveau de la récupération de vision au niveau de ce top side. On n'a pas envie de laisser Faxi à l'abandon. Même si on fait pas de gank pour le top laner, on lui apporte des wards. Au maximum, la pink ward qui a récupéré le smite. Oh, malheureusement qui passera pas. Ah, il y a le niveau 6, hein. Il peut pas contester c'est un niveau 6 et il laisse un carapateur vivant à 1 point de vie. Skins fait la loi et s'impose, attention à la poussée tellurique. Et il faut juke pour Tonnerre, il faut juke et c'est juke. Ouais, c'est bien réalisé ça, effectivement on arrive à se mettre en sécurité, c'est de plus en plus dur aussi pour une Talia d'arriver à tuer. Oh, attention le trade sur la botlane, la ro qui est disponible, c'est la mort instantanément pour Pulsas, aucune échappatoire pour le support. Et à chaque fois finalement les DLC qui arrivent à trouver leur 2v2 finalement. Et 2-0, 2-0 oh. Pour comp. Par contre le décalement est massif. Ça va être pour un red buff. On va l'engage, on est en couverture, on n'a pas de pression au niveau de la mid lane, on n'a pas de pression sur la bot lane. C'est un team qui ne peut pas les contester du coup ce red buff. C'est une très très belle opération, les DLC qui sont bien en place dans cette game. Pour le moment, on arrive à trouver des pick-up au niveau de cette bot lane. Heureusement c'est pas Toaster qui meurt, donc il arrive quand même à engranger un maximum de farm. Mais il prend du retard, c'est une certitude par rapport à son vis-à-vis qui a récupéré déjà 2 kills. Donc 700 gold de récupérer pour la hache, c'est beaucoup. C'est énorme là, sur la lane, sur un matchup qui est pas forcément extrêmement favorable. Avec les deux assists en plus pour Moops hein, qui accélère, qui prend un peu de points de vie. Parce que c'est vrai que si tu fais hard focus et que t'as pas le temps de mettre tes shields ou ta croissance pour Moops, t'es assez fragile. Donc c'est alors main duel qui est très safe. Skins qui a réussi à bien défendre sa jungle. Il y a de la vision, il y a deux control wards qui sont positionnés. Donc il n'y a pas énormément de choses à trouver dans les prochaines minutes pour les Gamers Origin. Et Tings en plus qui se fait voir. Ouais, rien à faire. On voit effectivement cette Talia a systématiquement la priorité sur la mid lane. Mais regardez, Tonnerre est obligé d'utiliser beaucoup de mana par rapport à son vis-à-vis. Et du coup, bah, une nouvelle fois, bah, on laisse la pression au niveau de ce Corbin. Quoique Skins. Le smite. Belle inspiration. Il y avait le smite disponible pourtant pour le Lilithin. On n'a pas voulu le challenge. Ça juste c'était bien smite. Ouais. Putain, mais du coup, est-ce qu'on peut pas trouver un pick-up là? Bot lane, Eka qui peut se libérer du coup. Le mien de la tisseuse évidemment qui est disponible. Et ça recule. Ça t'as recule pas le choix, pour la duo Géo. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de TP pour Tonnerre et il n'y a pas de portail dimensionnel pour Tonnerre. Donc il n'y a pas grand chose, donc il faut venir à pied. On n'est pas level 6. Ah, il faut pas laisser la tour tomber, hein. Faut pas laisser la tour tomber, faut absolument contester. Il y a les renforts qui sont bientôt là, la téléportation de Faxi qui arrive derrière. Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a un ulti pour Faxi, est-ce qu'il peut trouver un flanking? Le route, c'est suivi, le route. Avec un ulti, mais il y a beaucoup de dégâts, il n'est pas assez tanky. Et ça, c'est une pour Shogat, on s'échange des top laners. Qui est passé, est-ce qu'on arrive à trouver des dégâts? L'ultimate de Lulu, le bird peut-être de la part de Sting, ça ne suffira pas à Skins qui survivra malgré le red smite, effectivement. Et Eka, trop de pression pour le moment, on va quand même essayer de chase. On a un flash disponible pour Pulsas, qui a un flash. Oh la cage. Il y a un flash, il peut arriver. Non. Et pas de cage trouvé, attention au piège, Comp qui ne tombera pas dedans. Et on n'arrivera pas à récupérer de kill, ouais, pour Gamers Origin. Cette phase brique, est-ce qu'elle va pas se retourner du coup à l'avantage des Gamers Origin? C'est possible, il hein, y a plus rien pour arrive. Tiens. Ah mais ils sont pas restés, personne n'est resté. C'est bizarre de la part de Tings de pas être resté effectivement. Pour apporter un petit peu de soutien à sa duo lane, mais je pense qu'on va prendre son bag. Voilà, on va pas prendre trop de retard. On a réussi à prendre un bon trade. Si jamais en fait la récupération de tour ne passe pas, surtout que la défense est disponible en plus du côté de Comp et de Moops, on va pas avancer, prendre le bac, récupérer voilà les berserkers, récupérer un petit peu d'attaque speed pour Toaster et sur le mettre dans des bonnes conditions. Et les bots évidemment qui sont toujours une valeur excellente hein, pour aussi bien des champions comme Ashe, comme Caitlyn.
tous les champions qui ont besoin de beaucoup d'attaque speed. D'une part, ça t'apporte de la mobilité aussi, d'être du coup de te protéger un peu plus facilement face au décalage de EK mais aussi de skills. Et en plus, évidemment, d'arriver à proc ton passif ou ton tir du ranger pour comp. Allez, le blue buff qui est récupéré pour EK. EK pour le moment qui nous fait une superbe game, qui arrive à trouver beaucoup de déplacements sur la carte. Mettre beaucoup de pression à chaque fois. Comme prévu, hein, il a l'avantage du push en tonnerre. Les Thalia sont à l'honneur, ouais, clairement, dans ce BO. Et ça amène 3-0 sur une hache. Très bien lancé. Au top, la double bannière de commandement qui s'annonce aussi. La spéciale herbivore. Ouais, l'avantage est quand même pour Dandan. Hein. D'avoir un festin. Ça le met dans une bonne position. Par rapport à Mao qui aura que ses auto-attaques. C'est 20 points de dégâts à proposer. Solide. Oh, c'est agressif ça. Le flash out de EK. Est-ce qu'on arrive à trouver un trade back du côté de Tonnerre? Non, le Q-Spell qui ne passera pas. La poussée tellurique non plus. Oh, il va le tenter. Il va le tenter. Sûr, il est pas vu. Les dégâts sont bons. Le kick, ça ne l'amènera pas de l'autre côté du mur. Et oh, c'est un très très bon pick-up. Il a un peu sué la Tix au moment où il s'est pris le kick. En plus, c'est un flash hein, qui part pour Skins. Alors, le duel qui est pris, un décalage au portail dimensionnel de Tonnerre. Ouais. Et un ulti, Faxi va le mettre ou pas? Non. Il attend son route avant de pouvoir le mettre. Non, il ira pas jusqu'au bout. On va juste aller chercher le wave clear sur la mid lane. Ça y est, Tonnerre a récupéré aussi ses premiers items AP. Le bâton séculaire maintenant qui est en poche. On va attendre évidemment le stacking. Mais au moins ça va le mettre dans une très très bonne position puisqu'il va pouvoir trouver un wave clear un peu plus évident que sur les précédents niveaux qu'avant l'item. Et elle est maintenant toujours la course hein, pour LDLC. Récupération de First Break. La tour est très très low au niveau de cette bot lane. Ils peuvent pas back hein, ils peuvent pas back la duo NGO. Ils back, ils perdent la tour, ils perdent le contrôle du dragon. Ça swap, ça push. C'est hors de propos de back actuellement. Donc faut absolument un coup de main de Tinks ou de Tonnerre. Là, s'ils pouvaient faire une action au bot, les Gamers Origins, ce serait exceptionnel. Et pareil pour les DLC. Normalement, il y a un focus, les top laners, on n'est pas censé les voir. Il y a un focus, il est au bot. Allez, comme c'est fort, évidemment, Kha'Zix, ça va récupérer la vision, on n'est pas dupe. Pour EK avec la ward, mais la roue par contre qui est bien sentie. C'est beau, le c'est propre. Très terminé. Très c'est terminé pour Tinks, effectivement, très très beau pick-up. Ça va être du coup un dragon des nids verts qui va être récupéré. Non, pas tout de suite. Ou une tour. Ouais, il peut le récupérer en solitaire, tu me diras, Skins. Pression bot, voilà, ça push. Ouais, pression bot, récupération de red buff. Le potentiel décalage de EK. Et normalement, logiquement, Toaster et Pulsas sont obligés de reculer. La vague va venir, la prochaine vague. Heureusement qu'ils ont bien push. Hein, va venir s'écraser sur cette tour et on devrait peut-être pouvoir récupérer une T1. Peut-être. Allez, voilà, le dragon des airs, EK, le vient de la titre disponible. Va-t-il le mettre au niveau de cette botlane? Probablement. Le décalage est présent. Par contre, regardez Faxi hein, qui a fait le déplacement du haut de sa carte. EK qui va pas se faire avoir par la cage. On arrive à protéger cette T1. Et ben, ce sera un bac. Ils ont choisi de faire le call safe, de se rabattre sur dragon nuage. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à forcer. Parce que dans le pire des cas, il le force pas trop, il disengage. Il n'y avait pas encore le timing TP pour Faxi. Alors regardez ce qui a fait son apparition sur la top lane. La bannière de commandement pour Cho'Gath. On va pouvoir mettre du rythme et c'est Tonnerre qui va essayer de trouver un décalage. Et il l'a pas vu sur la top lane, il y a un décalage. Oh, Dandan, il est pas parti dans le bon chemin. Ouais. Dandan, il est... Là, a priori, il est condamné. Il y aura vraiment personne pour l'aider, à moins d'un miracle. Ouais, le route derrière, un portail. Ah, il faut prendre... Ouh, ah, c'est pas il mal, l'a mis là-bas. C'est bien réalisé, c'est très très bien réalisé en vrai. Le dodge de la rupture, flash. Mais non, Faxi, pourquoi t'es resté là-bas? Il vient le chercher sous la tour. Pourquoi il est pas resté là-bas, Faxi? Ça coûte un flash là pour le top laner Game Origin. Mais ça va, c'est un flash qui est bien maîtrisé. C'est pas si évident à faire en plus ce flash sur cette colline. Les deux n'ont pas de choc, excellente opération. Une T1 qui ne sera pas récupérée. Mais regardez par contre les DLC qui sont installés sur la bot lane, sans défense. Ils l'ont abandonné. On décide effectivement de faire une rotation au niveau de cette top lane. Et un gant, KK qui a pris un headshot, la cage qui ne passera pas, mais je pense pas qu'il y ait un push à trouver au mid. Si, ils y vont. On va le forcer. Hein. Tinks a les dégâts qu'il faut. Et midlife, effectivement. Tinks a les dégâts qu'il faut. Tinks a les dégâts qu'il faut. Regardez, les dégâts sont colossaux quand même hein, de la part des joueurs Game Origin. C'est un EK du coup qui arrivera quand même à assurer le wave clear, mais qui va laisser sans défense le héros de la faille potentiellement. Pour Game Origin, on va voir. Ouais, c'est... Non, il prépare les objectifs en fait. Il peut prendre un peu de kill.
Ouais. Ça reste que là, normalement, il va bientôt y avoir le swap. Même il est censé y avoir un swap, vu qu'il n'y a pas de dragon, qu'il y a un héros de la faille à jouer au top. Il me faut de nouveau ma carte. Juste pour peut-être un peu la mid lane et après bouger de nouveau. Mais il va falloir enchaîner pour LDLC. Surtout maintenant avec cette hache Essence River déjà terminée. Oh. Ça fait très très mal hein, sur la hache Essence River aussitôt. Ouais. Il y aura de la row effectivement à proposer. La CDR pour le Waveflare aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change un petit peu les lanes maintenant pour Game Origin? Il faudrait. On va envoyer Rive Botlane probablement. Toaster et Pulsa sur la mid lane. Sachant que la mid lane est déjà mid life. Oui. Donc, la top lane est plus que mid life aussi. Il peut y avoir une envolée au gold. LDLC, ils font une bonne escarmouche, ils font un bon pick-up. Il y a deux tours qui peuvent tomber. Un héros de la faille qui peut être pris d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'ils doivent contester. Le héros de la faille qui permet de forcer le mid et décaler top. Récupération du carapateur, belle opération pour Eka. Il va pouvoir faire du coup des rotations évidemment beaucoup plus facilitées. Parce que c'est vrai que, mis à part la vision que ça apporte, mais on a un Tisseuse qui est très bien placé. Est-ce qu'on a retrouvé une Insec? Il est tôt ce Black Shield, il est tôt. Non. Et finalement, ça suffira pour prendre la tour pour LDLC. Plus que la T1 top. Oh, attention, on engage au niveau de la mid lane. Le route qui est passé sur H, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Le flash out instantanément, flash out aussi de la part de Tinx qui sera quand même touché par la roue. On va partir en all-in. Mais regardez, oh, flash out, Pulsat, il est tellement agressif le joueur. Oh, Pulsat a trouvé son route. Oui, maintenant c'est Tonnerre qui trouve des dégâts. Et il s'enchaîne sur Eka. Eka qui était dans la backline, il se fait poursuivre par Faxi. Wow. C'est 2 kills et on a fini très très low pour les Gamers Origin. Les flash in pleuve dans la faille de l'invocateur. Ça permet d'enchaîner sur la T1 mid. Et attention parce que Tonnerre a encore son flash par contre. Pulse Humor Spell du côté LDLC signé chez Skins. La défense est impossible. Est-ce qu'on peut pas récupérer une T2? On va pas la forcer, on va préférer se tourner vers un héros de la faille. Débloquer 2 tours peut les mettre dans de meilleures conditions que récupérer cette T2. En tout cas, excellente opération, très bon fight. Un peu de ça, c'est qu'il n'y a pas eu peur, hein, qu'il n'y a pas eu froid aux yeux. Parce que flash in avec une Morgana à ce stade de la partie, quand pour seule défense, bah t'as 200 d'HP, t'as 180 HP, c'est pas grand chose. T'as pas le Zonia. Il a pas de stopwatch, hein, il a pas pris la stopwatch. Il était confiant, Pulsas, mais c'est une très très belle opération du coup. Ce qui permet du coup de débloquer une T1 sur la mid lane, un héros de la faille, du farm évidemment pour Tonnerre, un kill supplémentaire évidemment. Non, combien de kills? Oui, si, un kill. Non, 2 kills supplémentaires, pardon, pour les Gamma Origin. Et un Ryze à 4-0. Ouais. Qui va avancer très vite sur son Séraphin. Et là, mais en plus, avec un Ryze 4-0. Qui récupère Séraphin, bâton séculaire, tu mets le Black Shield de Morgana et tu peux partir en 1v5. Alors, clairement, t'as aucun souci à faire ça puisque le seul risque en fait pour un Ryze, c'est les CC. C'est les CC, ouais. La rupture, effectivement, le silence. Et là en l'occurrence, avec un Black Shield, il n'y a aucun problème. Il va pouvoir faire respirer du coup sa Caitlyn comme il le faut. Et une rotation se met en place pour Faxi. Est-ce qu'il va aller sur la bot lane? Sachant qu'il en est quand même à l'orée d'un dragon. Ouais, ils ont pris l'information, ils ont vu Skins, ils ont vu la volonté de LDLC de venir chercher la T1 au top. Ils peuvent envoyer Tonnerre, mais Tonnerre, est-ce qu'il aurait pas dû troquer son Ghost pour une téléportation, Tonnerre, pour pouvoir jouer le dragon? Ouais, justement, ouais, c'est pour ça que je trouve ça étonnant comme choix. On préfère mettre une priorité au niveau du Nashor plutôt que le dragon. Après, j'ai pas l'information sur la couleur du dragon. Mais ça va être probablement un dragon désert. Si on fait une rotation comme celle-ci, je pense pas que ça soit un dragon infernal. Ouais. Même dragon des montagnes dans cette game. Oh. En blue side, le headshot. Qu'est-ce que c'est fort, quasi extrême en termes de. En termes de contrôle, oh, c'est incroyable. En termes de vision, ouais. Les 20 points de dégâts. Boum. Ça y est, on va y arriver quand même. Superbe duel. Ils ont l'impression par contre au niveau de cette bot lane, où est Dandan? Il a toujours pas fait son back pour le moment. C'est au top, ouais. Ça veut prendre la tour. Ça veut prendre la tour. Simplicité. Attends, c'est pas comme dragon? C'est pas bon. C'est un montagne. C'est un montagne, ouais. Ouais, là, ok, dragon des montagnes. On irait pas. Le pick up sur Moops. Non, y a pas grand chose. Oh, le Black Shield. Le Black Shield qui empêche le bump. Double et récupéré. Pour Gamers Origin qui interrompt la rotation devant le Nashor. Mais attends, mais oui, avec un Ryze, est-ce que tu peux pas faire un Nashor pour Gamers Origin Ryze plus Kha'Zix? Ah si, tu peux, ou tu peux le bait au moins. Faut faire juste attention, moi, le 50-50 contre Alicine, c'est rarement une bonne attends idée. Attends, le TP.
le TP qui arrive, qui va zoner du coup les joueurs à le DLC. Oh Faxi, il tente pour Faxi. Et il met l'ulti sur Eika qui purge instant, mais il est focus par tonnerre. C'est un peu low par contre pour continuer de faire le Nashor. Tu crois qu'on le retente? Ouais, ça paraît très étonnant, on est quand même face à un Cho'Gath qui a un festin. Hein. C'est suicidaire. Il a un festin, Cho'Gath. Il y a un Lee Sin quand même avec un kill qui peut assurer quand même un objectif. Je pense qu'on va essayer de bait un autre kill en fait. On veut bait un autre kill pour les Game of Origin. On veut bait un flashing peut-être de la part de Dandan. Vous savez qu'il y a un flashing. Et voilà, directement Dandan par contre qui se fait contrôler. Est-ce qu'on a des dégâts dans le trap qui est placé aussi? Le chain CC, le bump par le Nashor qui aide les Game of Origin à venir à bout. C'est un planer. Excellente opération. Attention à tonnerre maintenant. Flashing directement sur Skin. Et il faut tomber rien. Il n'y a plus rien pour le smite. C'est la Kate Lee qui récupère. C'est très bien géré. C'est extrêmement bien géré. Oh, le Nashor qui aide les Game of Origin. Incroyable. Ils ont de la réussite. 6-0-2 pour le Ryze. Un Nashor en poche à 22 minutes de jeu noir. Un teamfight qui était gagné. Pratiquement un ace. Non, Skin, ce n'est pas mort du coup dans le process. Pratiquement un ace, ouais. Et là. Bah écoute, malgré le bon départ de LDLC, j'ai l'impression que Game of Origin a réussi à rester solide, ouais. À temporiser. Un bon, tonnerre aussi qui a trouvé aussi les bons décalages. Et Faxi, il faut qu'il reste sur Mao Kai. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est bon sur Mao. Pas à dire. Ah, il y a Hero de la Faille en plus qui était là. On va pouvoir sécuriser la tour en bot side. Maintenant, en termes de dégâts pour LDLC. Le push Baron de Nashor, héros de la faille. Ouais. Il est intéressant. Oh, il va faire très mal. Plus bannière de commandement, t'as oublié. Plus bannière de commandement. Ça t'arrive avec une armée. Il manque un mort de Kaiser et on y est. Ouais, c'est ça. Et Hiverne, et on est parfait. Il y a la cage, on va ralentir du coup le décalage sur la botlane, la défense. Toaster surtout est bien installé, protégé par son top laner. Il est où la bannière de commandement? Je crois qu'elle est sur le Zvirkan. Non, je suis pas sûr de cette info. Ouais. Si. Ouais, ça va être. Là, tu peux pas protéger. Les Slinter. Pièges en plus, Captain Morgana. Ah, ça, c'est la composition de push de l'année. Hein. Ouais, tu peux pas protéger ce Slinter. C'est impossible. Attends, par contre, les premiers contrôles qui pleuvent sur comp. Est-ce qu'on arrive à se replacer? Oui, sans flash. Non, on va utiliser le flash quand même. Faxi qui est sujet au DPS. Le flash in de la part de Dandan. Il va mourir, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour l'inhibiteur. Il faut partir. Ils y vont, non, ils peuvent pas. Il faut qu'ils disent. Oh, la pousse est tellurique! Elle fait très mal celle-là, elle force un double flash out. Il faut partir pour les GO, il faut pas grid. Tonnerre, on sent qu'il a envie de se battre. Il y a Stopwatch qui est en poche, effectivement. On va partir au niveau du Dragon des Montagnes. Bon, on a perdu deux joueurs dans la récupération cet inhibiteur, mais ça reste un avantage pour Game of Origin. Plus un dragon des montagnes qui va pas être contesté, j'imagine, par LDLC. Non, ils sont trop low, ils ont pas tué leur spell en plus sur leur hache. On doit attendre l'IE en fait. L'IE va vraiment être salvateur pour comp. On aura en plus des dégâts en AOE avec le Runan. Et c'est vrai qu'Azix avec Draktar est tellement inquiétant. Et surtout. C'est dur, ouais. En fait pour une hache de jouer face à ce type de compo. Un Mao, il y a la Lulu, mais c'est pas suffisant. En fait, il y a trop de dégâts, ouais. Même avec une Lulu. Hein. Ouais, et la Lulu, bon, bah, Tinks, il la règle avant le début du fight, 80% du temps. Trop de dégâts, trop de CC aussi avec le Mao. T'as pas de QSS, t'as pas de Mikael éventuellement, t'as pas de bonne de marqueur non plus. Ouais, ça va être compliqué, on va partir en siège. Par contre, au niveau de cette top lane, il doit rester à peu près 20 secondes de Nashor. Le temps en tout cas de récupérer cette T1 facilement, et pendant que Tinks arrive à trouver son pick-up, et regardez les dégâts super. C'est l'enfer. Je déteste ce champion, c'est l'enfer, c'est l'horrible, hein. Horrible. Il a traversé toute la jungle invisible. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas de ward préventif pour LDLC. Quand bien même. Il arrive à trouver son pick-up, alors on va jouer un maximum sur le buff Nashor. L'accélération est violente. Bon, Gio qui s'est ressaisi. Ça s'est joué à base d'outplay, on s'est fait une très grosse frayeur sur l'early game. Et là, ça déroule. Puis la phase de siège au héros de la faille, Caitlyn, Morgana, Bannon. Et le premier. Oh, attention, par contre, le cache de tonnerre. Oh, oui, Sonia Skis. Ça coûte cher, ça directement va tomber sous les coups des Game of Origin, sous les coups de Tinks. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un flash-in de Faxi. Tu le vois là, le flashing de Faxi sur Comp, s'il a mis la mauvais placement. Et puis ça, s'il arrive tellement vite par la tour. Faxi qui se retourne. Et non, Comp qui bourrine. Ah, il fait mal Comp. Ouais, là ça il fait mal. Il manque l'IE. Il manque l'IE encore. C'est vrai qu'on n'a pas d'armure en fait pour Faxi. Non. Non, il va faire une transition en rondois maintenant. Ah, il en a très largement besoin. Rabadon en poche pour tonnerre.
qui a vendu sa stopwatch. Ah ouais. Utilisé. Ah oui, il l'a utilisé, ouais. Tout à fait. Il y a un casque adaptatif pour Lee Sin. Tu sens que Tonnerre, il leur fait mal. Et ça se voit en plus pour Tinks, il veut uniquement trouver des pick-up noirs. Puisqu'il n'est pas parti en deuxième item sur un Black Cleaver. Black Cleaver qu'on retrouve beaucoup quand même avec l'évolution des spikes sur Kha'Zix. Pour justement venir en aide en fait aux coéquipiers. Il part sur quoi là? Yumi. Voile de la nuit. Ouais. Yumi. Ah ouais, là il va être tellement. Ça fait un bout de temps qu'on en a pas vu de voile de la nuit. L'objet ouais. est parfaitement boudé. Vous savez, pourtant il était up, hein. Il a été up, mais. Bah, il y a mieux, c'est vrai que Draktar, bah c'est mieux quoi. Yumi, la mobilité c'est extrêmement fort. Tu peux le voir en troisième item, cela dit le manteau de la nuit. Ah, à l'époque c'était Yumu, Draktar. Manteau de la nuit, à la sortie, quand la létalité était avec le fameux Lucian Penetrator, full l'état, qui te tue en une culling. Après, challenge cette ward. C'est, en plus, maintenant, c'est vrai qu'avec la Draktar, tu one-shot les wards. Hop ouais. que c'est hop la pink. C'est pour ça qu'il a pas récupéré d'ailleurs la ward tout de suite, ouais. puisque c'était avec le proc du radar et pas avec le Draktar. Il a attendu justement la fin du radar pour aller chercher cette pink en un coup et du coup pas se mettre en danger sur une arrow bien inspirée de comp. Avec Tonnerre qui a toujours la pression, Tinks qui essaie de trouver ses pick-up, on a une Black minute du Nashor. Avec un Black Shield derrière, en fait Tinks il fait ce qu'il veut parce que s'il prend une Q-Spell, une flèche, il y a un Black Shield qui arrive. Et il y a en l'occurrence les Game Origin qui ont fait une excellente opération à récupérer cette T3 sur la botlane et cet inhibiteur parce que du coup ça les met dans une excellente position pour partir sur le Nashor. Ils ont un free objectif, ils ont l'impression installé au niveau de cette botlane, sous peu en plus qu'il y a un sbire canon qui sera une bannière de commandement pardon qui se rajoute du côté de Faxi. On a un boulevard en fait sur le Nashor. Ils ont récupéré toute la jungle. Donc là s'ils veulent acheter du stuff, c'est maintenant. Voilà, un dernier bac, une préparation du baron Nashor pendant que Tinks regarde toujours pour couper tout ce qui dépasse du gazon. Nouveau terrain, nouveau départ. Et Tonnerre peut-être qu'il va essayer de trouver aussi un pick-up au niveau de cette top line. Non, là, j'ai cherché le wave clear, il veut le push. 15 secondes maintenant avant le Nashor. Les Game Origin qui s'est temporisé, il faut récupérer par contre les trinkets bleus. Hein. Deux trinkets bleus côté LDLC, il va falloir les temporiser. Mais il y a deux trinkets bleus plus deux pigeons normalement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc il y a une vision. Oh, c'est agressif. Oh, c'est agressif. Ah oh, ouais, oups, ah non. Ouais, c'est. Oh, mousse, faut pas qu'il ah ouais. Ouais, le Black Shield, ah ouais, le Black Shield sur Tonnerre, bon bah ça passe. Comme quoi, oh attention Tinks. Tinks qui a pris un gros burst, l'ulti qui permettra, voilà, de plus à ce qui permettra de récupérer le kill sur Dandan. On est très low life, mais on a pris les kills. Il y a Tonnerre par contre qui est full life. Avec son Seraphin de disponible, on va rechercher un trap. Non, décalage, directement, on perd pas de temps. Et une téléportation. Oh, plus de sas. Ok. Il s'en sortira et ça va tellement vite. Et ce sera le Baron Nashor, 10 000 gold d'avance, les JO qui devraient pouvoir terminer cette partie. Et on aura cette game qui dépassera les 30 minutes finalement. On y arrive. Finalement. Mais faut dire que l'early game a été largement dominé par LDLC. Ouais. Mais là la réponse, Game Origin fait mal. Hein. 6-0-6 actuellement du côté de leur midliner. Le carry AD aussi est très bien. Transition sur un quatrième item. Le Randouin, ça y est, qui est en poche pour Faxi. Important, très important pour justement arriver à se prévenir, à se prémunir un petit peu des dégâts monstrueux qu'a proposé Comp maintenant avec l'IE. Tink qui essaye en permanence de trouver des pics. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, champion C4. Et en plus, voilà, un dragon infernal c'est tout leur pour porter le coup de grâce. On va laisser et au cas où, on va quand même apporter du soutien pour Fraxil au niveau de cette botlane. On ne décide pas de laisser avancer au niveau de cet inhibiteur avec en plus le bannière de commandement plus le Nashor pour y arriver facilement. On va laisser plutôt Tonnerre mettre la pression au niveau de cette mid lane. Ouais, on avance à 5. Venir le chercher. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de flash hein, pour Comp. Il a une QSS, plus de flash non plus pour Moops. Un flash qui revient pour Faxi. Un flash de disponible pour Tonnerre. Ça peut être mortel là. Sachant que côté Game Origin, ils ont tout intérêt finalement à focus Moops. Hein. Il a pas de défense Moops si ce n'est son ultimate. L'inhibiteur évidemment qui tombe facilement. Translation au niveau de cette mid lane. 1-5 hein, pour Cho'Gath. On voit que le travail de Franklin pour un Cho'Gath, la composition est compliquée. Faxi qui fait beaucoup de dégâts. Il n'a pas de téléport de disponible. Il pourra pas faire l'aller-retour noir. Il n'a pas de Warmog non plus.
Donc il va devoir régénérer ses points de vie à l'ancienne en attendant bien patiemment ou en mettant des gros coups de passif. Et on veut aller chercher au moins un deuxième inhibiteur. Pour les gamers d'origine, on a cette. Normalement, on a une Caitlyn, le mur de la tisseuse, mais ils peuvent pas engage, hein, même là-dessus. Oh, les dégâts d'écrit. Ouais, un peu tôt là, l'ultimate de Faxi. Quoique, il y a les creeps qui sont disponibles. Non, fait le tour en fait du mur de la tisseuse, je sais pas trop d'où ils viennent ces creeps, mais bref, ils sont arrivés. Et du coup, un inhibiteur qui va être débloqué, une rotation sur la top lane avec l'ultimate de Rive. Voilà, c'est bien réalisé. En plus, on ramène même des creeps. Oh là là. Bien entendu, pour faciliter le push. C'est propre. Et attention, les bumps. Faxi, oh, qui route tout! Qui esquive tout avec un route! La très bonne rupture sur Toaster et Pulsace, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut pas suivre! Oh. Et les crits de Toaster! Oh. Le crit! Le triple de Toaster! Le quadra kill de Toaster! Le pentakill! Le pentakill de Tonnerre! Le 3! Report x9! Ah, il voulait rester devant son Karyadé en termes de kill, en termes de KDA. Excellente opération pour les gamers Origin. En tout cas, 13 000 gold d'avance à la fin de cette game. 32 minutes de jeu. Excellente opération. Marais, cette game où ils sont passés un petit peu à côté à la game précédente. Ils ont réussi à tenir face à DLDLC, pourtant qui était bien inspiré en début de partie. Ils étaient bien inspirés. Il y a du mieux chez DLC, mais bon. Quand Géo, en fait, j'ai l'impression que ouais, Géo a fait une deuxième game où ils se sont fait un petit plaisir, où ils ont voulu stomp en se disant on est au-dessus, puis après ça n'a pas marché, on est revenu au classique du Ryze, du Maokai, voilà, des trucs bien safe, bien pression, dur à atteindre, avec une compo assez polyvalente, t'as pas besoin de all-in, et ils l'ont passé finalement à base d'outplay. Ouais, exactement. Du coup, les games Origin qui se met et en ça y est, position. Ça y est, exactement. Effectivement, ce sera directement les groupes stage. Ce sera vendredi de la semaine prochaine, hein, parce que les play-in, eux, commencent à lundi. Et c'est donc les play-in qui attendent LDLC qui vont devoir affronter les seed 3 venus des autres régions d'Europe. Vous pouvez voilà, voter en attendant pour le MVP, bien sûr, top jungle, mid, ADC. Et voilà le classement final. Donc Millennium déjà qualifié, ouais. Champion de France, Gamers Origin seed 2, LDLC seed 3 et les autres ils attendront la prochaine édition et il faudra rentrer dans le top 2 de ce classement au point et donc gagner les étapes du circuit français. Tout à fait. Et donc du coup ça va être intéressant de voir ces différentes équipes s'affronter tout au long de la semaine, hein. Ça commence donc du coup comme tu l'as dit la semaine prochaine. Je pense que ça va jouer entre France et Espagne. Ouais. Ah. Russie, c'est pas mal aussi, je pense. Ah, mais du coup, il y aura nos chers amis Gambit. Il y a Gambit, il y a Origen. Il y a Origen. Il y a Origen. Ah oui, Origen. Avec Insec et... Ouais, donc Expect, Insec. Ouais, il y a des rumeurs. Donc Expect, non, Expect a été annoncé au top. Oui. Insec dans la jungle. Dans la jungle. Froggen au mid. Ouais, il fallait trouver Froggen Forgiven en ADC. normalement, c'est ça la compo Origen. Et support, on sait pas trop. On sait pas. Okay. On sait pas, mais les rumeurs, hein, tout n'est pas confirmé. Je crois que Insec est, non, je crois que Expect c'est confirmé. Oui, Expect, Insec c'est pas confirmé. Je crois que Insec c'est confirmé, mais je suis pas sûr. Et les trois autres ça attend. En tous les cas, Froggen, il faut qu'il aille quelque part, c'est obligé. Mais donc ouais, et apparemment ce serait pour le passage aux franchises où XPK ce serait à coquiner avec des joueurs de foot qui auraient des sous à dépenser. Voilà, donc pour acheter un slot, parce que voilà, les franchises sont arrivées en LCS Europe, et donc un slot coûte 10,5 millions, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà en LCS, et 8 millions pour quelqu'un qui est déjà en LCS. Ah ouais? Ouais, tu gagnes quand même 2 millions hein, pour être oui, en enfin LCS. Bon. Ça reste excessif, quoi. Donc voilà, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, eh bien, on vous attend pour la suite alors de l'Open Tour qui seront les European Masters lundi à 18h pour la suite des matchs. On vous remercie d'avoir suivi au gaming pendant ce tie-break et on vous souhaite une très très bonne soirée et à tout de suite.